Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ouais, ça va, ça va, ça va, merci. Vous aussi? J'ai téléphoné parce que je voulais te parler, mais tu n'étais pas ici. Quand est-ce que je pourrais t'appeler? Dans la semaine prochaine, j'ai un peu plus de disponibilité. Envoie-moi un message. On en parlera en privé parce que là, la réunion est en direct sur YouTube, donc peut-être ça n'intéresse pas d'autres Oui, personnes. justement, justement. Tu m'enverras un SMS. D'accord. Ok. Bonsoir à tous, à toutes sur YouTube. Ok, je vous copie le lien dans la fenêtre de discussion Zoom si vous avez à cœur de partager sur les réseaux sociaux, voilà, sur les WhatsApp, sur les Facebook, le lien de la réunion, que ça puisse bénir aussi d'autres personnes. Voilà, je vois qu'il y a le prophète Martin qui se connecte. Shalom, shalom. Voilà, bonjour, shalom à tout le monde. Ça va, on est très heureux de t'accueillir. On attend que tout le monde se connecte. Pas de problème, merci. OK. Donc, je partage pour ceux qui veulent sur Facebook le lien du live si vous avez à cœur de partager. Voilà. Et voilà, c'est partagé. Donc, en attendant que tout le monde se connecte. Ça va être un petit temps. Si vous avez à cœur de commencer à intercéder pour cette soirée, voilà, n'hésitez pas. En même temps, je vais vous partager une vidéo de la dernière campagne, parce qu'il y en a que je n'ai pas vu depuis que je suis revenu. Je vous avais dit que je vous commenterais un petit peu. Je partagerai une autre vidéo un peu plus longue dans les prochains lives. Voilà, mais en attendant que tout le monde se connecte. Donc voilà, c'est durant la dernière campagne, la dernière mission à Madagascar, là où on revient seulement de l'île de la Réunion et de Madagascar. Donc un très joli pays que je vous encourage à visiter avec de nombreuses richesses, malgré ce qu'on dit sur la pauvreté. Et bien sûr qu'il y a des situations difficiles, mais il y a aussi beaucoup de trésors à voir et à valoriser sur le territoire. Donc, on a vu le Saint-Esprit souffler fort durant ces temps, hein. On a eu des personnes qui ont été guéries ou même libérées simplement en rentrant dans la salle et qui sentaient des esprits les quitter. Voilà, la Bible, elle nous dit que l'onction brise le joug. Donc la vidéo, elle est volontairement en espagnol parce que c'est pour une campagne à la télé en Colombie. Ils m'ont demandé de faire une vidéo pour la diffuser. Donc on a vu environ 400 personnes donner leur vie au Seigneur durant cette campagne. On n'a pas eu le droit de faire des réunions à l'extérieur parce que louer des terrains à l'extérieur ou le stade comme on voulait, c'était compliqué. Il y a eu les élections politiques qui sont en train de se faire et du coup, pour éviter les émeutes extérieures ou qu'il y ait des conflits ou des opposants qui se lèvent, ils ont interdit les réunions. C'est compliqué de les faire à l'extérieur. Donc, on a vu, voilà, comme ce petit enfant avec un cancer des testicules. Après la prière, ses testicules ont dégonflé, sont redevenus souples. On a eu des personnes guéries de malaria, c'est le paludisme. Et le réseau à Madagascar s'élargit. Voilà, maintenant on a une quarantaine de pasteurs avec lesquels on avance dans le réseau à Madagascar. Et on a pu faire de la formation des ministères et bien expliquer la vision aussi pour pouvoir développer sur le territoire et aller en conquête. Et le Saint-Esprit a soufflé fort. Voilà, on a eu la grâce de voir des choses. Voilà, de sa puissance. L'évangile, c'est pas seulement une question de parole, il y a aussi la démonstration de puissance qui vient toucher les cœurs, convertir les cœurs. Et voilà, on a vu des enfants, on a vu des adultes vivre vraiment dans la dimension de l'esprit. Alors, ça peut paraître surprenant, mais beaucoup ont été guéris, transformés, touchés là où ils étaient. On a eu une réunion, il y a eu 40, 50 personnes guéries instantanément
Et voilà, des visitations, des enfants qui étaient touchés dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu. Je vous parlerai un peu plus sur les missionnaires, mais voilà, on a invité des personnes de notre réseau à l'île de la Réunion, des ministères qui sont là-bas et qui ont été impactés aussi, qui ont prié, qui ont vu Dieu se servir d'eux. On a eu des dents qui se sont reconstituées, qui étaient abîmées, cassées. Voilà, le Seigneur a fait des miracles. Voilà, des douleurs, des infirmités. On a eu des personnes qui ont été libérées de et simplement des personnes ont été touchées pendant la prédication et l'annonce de l'évangile, et quand la vérité vient toucher les cœurs, elle comporte aussi une puissance pour amener le salut. Et le salut, c'est pas seulement le fait de l'accepter pour pouvoir être sauvé après que la chair passe, c'est le salut est disponible pour maintenant, et le salut comprend la guérison et la délivrance. Donc, on a eu un miracle. Le pasteur vient me voir et il avait prévu pour une campagne d'évangélisation dans les quartiers défavorisés pour 300 sacs de riz. Et il m'a dit, comment on va faire? Il y a plus de 500 personnes. J'ai prié pour la multiplication et alors qu'il rigolait un petit peu, il n'avait pas la foi pour ça. Ben, le Seigneur a multiplié. Alors, si vous pouvez éteindre les micros, on vous entend chez vous. Voilà, merci. Excusez-moi. Voilà, et le Seigneur a multiplié les sacs de riz, et du coup, des 300 sacs de riz qu'on avait, on a pu donner des sacs de riz à plus de 500 personnes, et il restait encore 44 sacs de riz. Donc, le Seigneur a fait des multiplications au niveau de la nourriture. Beaucoup ont été impactés, touchés. Donc, merci aussi à tous ceux de l'Assemblée Connectée qui supportent cette œuvre. On a pu intervenir dans le centre d'accueil, qui est fini de construire. On est en train de construire les lits, les chaises, les bancs. Pour pouvoir développer le centre d'accueil, de formation, accueillir les orphelins, les nécessiteux. Donc il y a toutes ces œuvres qui sont portées aussi à travers l'Assemblée Connectée pour ceux qui soutiennent l'association humanitaire chrétienne Empreinte d'espoir, qui est l'association culturelle, qui est en partenariat avec l'association cultuelle ACPDV, qui veut dire Assemblée Connectée Parole de Vie. Donc merci. À tous, que vous soyez aussi arrosés, puisque l'arroseur est arrosé du prix de ses âmes. Donc, et ensemble, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est pour ça qu'on peut construire, qu'on peut bâtir et puis développer les choses. Donc, merci Seigneur pour toutes les bonnes âmes qui ont à cœur de s'investir dans la vision et de bâtir ensemble d'un même cœur et d'un même esprit. Donc, bonsoir à tous, pour ceux qui se connectent sur YouTube, ceux qui se connectent sur le Zoom. Donc, on va commencer progressivement pendant que tout le monde se connecte un petit peu. La Bible, elle nous dit qu'on vient dans ses parvis par des louanges et des actions de grâce. Donc, je vous partagerai un peu plus sur la mission la semaine prochaine et un petit peu sur tout ce que le Seigneur nous éduque aussi à travers la mission et sur le message qu'il nous donne aussi. N'hésitez pas à diffuser le lien de ce live aussi sur YouTube. Il est accessible à tout le monde sur YouTube. Que tout le monde soit béni aussi de l'intervention du prophète Martin Charton, qui a beaucoup de révélations dans l'esprit et de choses à nous communiquer. De base, les micros sont éteints, donc laissez-les éteints, s'il vous plaît, pour les temps de louange et d'adoration. Ensuite, on aura un temps où on se mettra à l'écoute de Dieu. Si on reçoit des paroles, vous pourrez réactiver les micros. Mais si vous laissez les micros allumés, ça fait de la cacophonie et puis on ne s'entend pas. On n'est pas d'un même cœur et d'un même esprit. Et des fois, on entend la télé chez les uns, des discussions, et puis ça casse un peu l'onction dans la louange. Donc la Bible, elle nous dit comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés. Alors, soyons un aussi dans les temps de louange et d'adoration.
La Bible, elle nous dit qu'on vient dans ses parvis par des louanges et des actions de grâce et qu'il y a une puissance dans le commun accord aussi. Lorsque ceux qui jouaient des tambourins, ceux qui chantaient, ils étaient d'un même cœur pour louer le Seigneur, pour célébrer le Seigneur. La Bible, elle nous dit que la nuée était là et les sacrificateurs ne pouvaient pas faire le service dans le temple. Et même c'est dit dans l'hébreu qu'ils étaient plaqués au sol sous la gloire de Dieu. Donc dans la gloire de Dieu, quand il y a le commun accord dans la louange à chercher sa face, la grâce de Dieu vient, on s'approche de lui, Jacques 4, verset 8, et il s'approche de nous. Donc il y a plein de choses aussi à recevoir dans sa présence. Et voilà, simplement, Seigneur, on veut venir dans une attitude de louange, on veut vraiment être un. Et si vous avez des chants en esprit qui vous viennent aussi, des fois on nous dit qu'il ne faut pas chanter en esprit ou parler en langue si on n'a pas l'interprétation, mais là on n'est pas dans un temps d'édification commun, on est dans un temps de louange et d'adoration au roi des rois. Et la Bible, elle nous dit que la chair, elle est faible, mais l'esprit, lui, il est bien disposé pour comprendre toutes ces choses-là. Donc c'est en esprit, on dit de l'adorer en esprit, en vérité, de chanter des cantiques spirituels. Donc si vous avez des chants inspirés, voilà, libérez-vous. Si vous avez envie de danser, de vous prosterner dans la présence du roi des rois, on est appelé à être des pierres vivantes et non pas des briques moulées. Donc voilà, soyez libres d'être vous-même dans la présence de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu vas libérer dans cette soirée, merci pour les anges et tout ce qu'on veut accueillir de ton royaume. Seigneur, on veut passer à côté d'aucune miette des trésors que tu as prévus pour nous ce soir, et on permet à toute la manifestation de ton royaume de s'exprimer comme elle le veut, parce que ta folie est plus sage que notre sagesse humaine. Donc Seigneur, si tu veux aussi ébranler nos compréhensions, nos manières de faire, Seigneur, on te le permet, puisque Jésus tape à la porte et il attend qu'il y ait une ouverture. Donc on veut vraiment s'ouvrir à toi, lâcher prise en toi, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors on te permet ce soir d'avoir toute la place, toute la liberté que tu veux au milieu de nous. Seigneur, fais ce que tu veux. Seigneur, manifeste ta grâce au milieu de nous. Manifeste ta grâce au milieu de nous. Seigneur, toi et toi seul, ta présence. Seigneur, ton amour. Merci pour tout ce que tu vas déverser. Merci pour tout ce que tu veux libérer au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu as accompli à la croix. Merci pour tout ce que tu fais qu'on voit et qu'on ne voit pas aussi, Seigneur. Merci, voilà, pour toutes ces choses, Seigneur. Notre âme veut les placer devant nos yeux. Et comme David, on veut ordonner à tout notre être, notre âme, de bénir l'Éternel. Sur tout ce qui voudrait sortir de ta présence, on ordonne à tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, d'être aligné dans ta volonté. Sur Cyril, a priori, il y a un problème de son. Faut quelqu'un l'appelle. Je ne sais pas. Il n'y a pas de son, Cyril. Ah bon? Pardon. Et là, vous m'entendez quand je parle? Oui.
Alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas de son? Quand tu chantes, ça ne marche pas. Et là, vous entendez? Oui. Si vous pouvez éteindre les micros, je ne sais pas qui c'est qui a rallumé encore, mais si vous pouvez éteindre. Est-ce que le son, ça marche là ou pas? Non, ça entrecoupe. Du tout? Allez, on arrête ça alors. On arrête ce micro. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Idem, ça coupe. T'as vu, Cyril? Le son qui coupe, c'est ça? Si tu veux, Cyril, c'est quand tu chantes. Ça s'arrête. Quand tu chantes, il n'y a rien qui sort. C'est ça que vous me dites? Ouais, quand tu chantes, ça s'arrête. Ça coupe. C'est parce que vous jouez la guitare en même temps. Je pense que c'est le double son qui vient de la guitare et le son de la voix qui interrompt. Ouais, bon, pourtant, essayez ça marche. Essayez de chanter comme... sans la guitare. Pourtant, ça marche comme ça d'habitude. Hein, avec les mêmes réglages, avec les mêmes choses. Alors. Seigneur, ta grâce. Seigneur, au nom de Jésus, que tu fasses marcher cette technologie. Seigneur, c'est les mêmes choses qu'on fait d'habitude et qu'il n'y ait rien qui se lève contre les temps, contre ces moments. Au nom de Jésus, Seigneur, on appelle ta grâce. Seigneur, on appelle ta grâce et que tu viennes libérer le son, que tu viennes libérer voilà, tout ce que tu veux faire durant ces lives. Au nom de Jésus, Seigneur, on appelle ta grâce. Seigneur, on appelle ta grâce. Vous savez, ça arrive souvent d'avoir des problèmes et des interférences avant les réunions. Beaucoup sont tombés malades à Madagascar. Il y en a un qui a eu, on pense, le palu. Il a pris des cachets pour le palu. On était malade avant des réunions, des gros empêchements avant des réunions. Des fois, on a eu des voitures qui cassaient pour faire 5 km de réunion, l'embrayage cassé. On reprenait une voiture, le moteur cassé. Il y a des personnes, des centaines qui devaient être touchées, donner leur vie au Seigneur. Et c'est important aujourd'hui de se tenir aussi dans l'intercession. Voilà, il y a des choses qui viennent des fois se lever, qui viennent bloquer certaines choses. Alors, voilà, que tout le monde puisse aussi se lever dans la dimension de l'intercession. Est-ce que vous entendez là? Ok, est-ce que vous entendez? Je viens de toucher un réglage sur Zoom, alors j'espère que ça fonctionnera comme ça. Pourquoi? Est-ce qu'avec la guitare, ça passe? Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône? Est-ce que c'est bon, là? C'est bon, on entend ta voix, pas la guitare, mais on t'entend chanter. On entend la voix, pas la guitare. Oh là là, Seigneur. Seigneur, ta grâce, au nom de Jésus, Seigneur, vraiment que tu viennes mettre ta main dans ces temps, dans ces lives. Seigneur, vraiment, on appelle ta grâce. Seigneur, on veut te louer, on veut t'élever. Seigneur, on veut glorifier ton nom. Seigneur, on veut déclarer que tu es bon et que rien n'arrêtera la louange. Seigneur, on veut élever ta bannière. Seigneur, on veut lever ton nom. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, Seigneur. Et que ton règne vienne sur cette assemblée, que ton règne vienne sur cette soirée, sur les problèmes techniques. Seigneur, on appelle vraiment ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu veux libérer sur cette soirée. Seigneur, merci qu'on puisse se lever, Seigneur, et pousser ensemble, Seigneur, ton royaume. Seigneur, merci pour les déblocages. Merci pour les libérations, pour tout ce que tu fais dans la dimension spirituelle. Là, est-ce que vous entendez la guitare?
Seigneur, ta grâce. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. On s'incline sous ses angles devant le Seigneur. Il est semblable au lion à l'agneau assis sur le trône. Il est s'incline sous ses angles devant le Seigneur. Jusqu'à la fin du jour. Les anges et tous les saints. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que ça change quelque chose? Ça a recoupé, Cyril. Ça bug toujours? Ouais, ça a recoupé. Ok. Bon, tu peux essayer de te déconnecter, de te reconnecter. Ouais, le problème, c'est que tout le monde va devoir se reconnecter sur le même lien aussi, c'est ça? Non, parce que quand tu pars, des fois, tu reviens et tu es toujours là. Le Zoom, il continue, je crois. Oui, exact. D'accord. Ok, bon, j'essaye. Okay. Sinon, reconnectez-vous sur le lien si ça ne marche pas, mais ouais. J'espère que ça ne va pas m'annuler le YouTube aussi. Parce que des fois, ça le fait automatiquement, mais ça, je ne me suis pas déconnecté, je n'ai pas envoyé l'information de déconnexion, quoi. Oui, je veux juste vous dire que je viens de me reconnecter, ça fonctionne. Avant, ça ne fonctionnait pas. D'accord. On va d'abord tous se déconnecter, nous, alors, oui. Ok, s'il y en a qui veulent essayer de se reconnecter, c'est peut-être mieux. Sinon, non, attendez avant. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est pas la peine que tout le monde se déconnecte, quoi. Ouais. Toi, c'est avec ton son à toi. Hum. Oui, on entend le passeur, mais on n'entend pas Cyril quand il chante ou quand il joue. 1, 2, 1, 2. Ouais. C'est la liaison de la guitare en même temps que le micro. Ouais. Les deux ensemble, ça ne fonctionne pas. Ouais. Bon, je vais essayer une dernière fois. Si ça ne fonctionne pas, on va simplement remercier Dieu comme ça. Mais... Là, vous entendez? Vous m'entendez là? Oui. Je sens la pluie de ton âme, ouais. Je sens le vent de ton esprit, des battements de ton cœur. Il y a de la turbulence sur la ligne. S'il vous plaît, éteignez les micros si ça fonctionne. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit, fais-nous vibrer. Des battements de ton cœur, tu pleuvois, tu pleuvois, ouvre les écluses des cieux, tu pleuvois, tu pleuvois. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit, fais-le des battements de ton cœur, Seigneur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit, fais-le. Seigneur,
me laisser plus délicieux. Yahweh, soigner ta volonté sur la terre, au ciel, c'est ton règne, Yahweh, que ton règne vienne, maintenant et à jamais. Que le son, ça va, ça passe là ou pas? Ça passe pas. Okay. Ça va, ça vient. Je pense qu'il y a un problème de câble. Enfin, tu débranches tes câbles et tu les remettes. Ouais, je fais depuis tout à l'heure, mais. Aïe, aïe, aïe. Débranche tes jacks, remets tes jacks, peut-être que. Ça s'en va, ça revient, c'est comme la chanson. Ok. Il n'y a pas d'humidité sur les contacts? Je sais pas, c'est un grand mystère parce qu'à chaque fois je fais exactement les mêmes choses et d'une fois avant à la fois d'après il sort jamais la même chose. Ok. Est-ce que là le son a l'air bon ou pas? J'ai changé de prise USB. Ça va? Sinon, faut okay. Je t'ai à caper là. Ok. En fait, c'est quand tu mets la guitare. Quand tu mets la guitare, ça va faire deux fréquences. Il y a ta voix et la guitare et du coup, il y a une des deux qui passe pas, quoi. Ouais, mais ça passait toujours jusqu'à maintenant de la même manière. Où la guitare pour moi maintenant? Étonnant. Alors, ok. Bon, désolé pour ces petits soucis techniques, hein, pour ceux qui suivent le live. Et... Joue la guitare pour voir maintenant. Pourquoi? C'est pareil. C'est pareil? Ouais, c'est peut-être un peu mieux, je sais pas. Sois élevé. Ta gloire, sois élevé. Ta gloire, sois élevé. Pareil. Bah déjà, ta voix à toi, elle ne coupe pas, là. On va arrêter la guitare. Peut-être que ton fil, il est mort, le fil, peut-être.
Ouais, ton fils qui relie la guitare à... Ok. Tu vas être obligé de faire de la capella. Ok, on va simplement alors remercier le Seigneur. Voilà, il y a des assemblées, même on n'avait pas d'instrument, rien du tout. Mais pour moi, c'est important. Il y a vraiment une percée, quelque chose des fois qui vient contre la louange, l'adoration. Vous savez, Lucifer, il y avait des luttes et des tambourins à son service. Il était le chef de l'adoration. Et aujourd'hui, il y a une guerre d'adoration dans les lieux célestes. Et quand on va dans des magasins, quand on va à droite, à gauche, on est bombardé par des musiques, par des sons. Il y a même des sorciers qui m'ont expliqué qu'à travers des fréquences, ils faisaient des fréquences pour manipuler les foules et s'insuffler dans l'esprit des personnes pour arriver à avoir des choses et de contrôler. Et donc, aujourd'hui, il y a une guerre dans la dimension spirituelle, dans l'adoration, et le diable, il cherche l'adoration. Il a demandé à Jésus si tu te prosternes et m'adores. Et donc, aujourd'hui, qu'on puisse élever quand même le nom de Jésus, même là où vous êtes, simplement épancher votre cœur et remercier Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour votre vie. Voilà, tout ce que vous voulez lui dire, qu'il n'y ait rien qui puisse limiter l'adoration, qu'il n'y ait rien qui puisse vous impacter. Donc, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour... toutes les bénédictions que tu libères dans nos vies. Merci pour la croix, merci pour ta grâce, Seigneur. Et il n'y a rien qui nous empêchera de louer ton nom, d'élever ton nom. Tu as le nom au-dessus de tout nom, Seigneur, et tu règnes à jamais. Ton règne n'aura pas de fin. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, on veut te louer, on veut t'élever. Seigneur, glorifie-toi. Seigneur, glorifie-toi dans cette soirée, Seigneur, vraiment. Tu es digne de louange, tu es digne de recevoir tout ce qu'on a de meilleur, tu es digne qu'on vienne mettre sur tes pieds tous les parfums de valeur, tout ce qu'on a de plus précieux, Seigneur, et toi seul es digne de recevoir toutes ces choses-là, Seigneur, qu'on dépose notre vie sur l'autel pour toi, Seigneur, vraiment. On veut s'abandonner dans tes bras d'amour, Seigneur, on veut te dire combien tu es merveilleux, Seigneur, tu es tout ce qu'on a de plus précieux. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour, alors que nous, on chute et que nous, on tombe et que nous, on transgresse, ton amour demeure, ta fidélité demeure. Tu es bon et là où les ténèbres de nos vies abondent, ta grâce surabonde, Seigneur. Merci pour ta faveur imméritée. Merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, merci pour tout ce que tu veux libérer sur nos vies. Merci parce que tu nous as parés de splendeur, de majesté. Tu as fait de nous des rois et des reines. Tu nous as tirés de la boue. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour qui ne peut pas se quantifier. Merci, Seigneur. Et même les mots nous manquent pour te louer, Seigneur. Merci de nous avoir tirés de là où on était. Merci de nous avoir sortis des chaînes de la mort et des griffes de l'ennemi, Seigneur. Merci pour ta victoire, Seigneur, accomplie à la croix. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur, pour pouvoir tenir ferme et surmonter, Seigneur, face à toute l'œuvre de l'ennemi, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour la puissance que tu as déversée sur nous et merci pour la confiance que tu nous fais d'être co-participants, co-héritiers avec toi. Merci pour tout ce que tu diffuses et tout ce que tu donnes dans nos vies. Merci pour toutes les grâces, Seigneur, que tu libères. Tu dis que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. On veut te louer pour ça, Seigneur. On veut te remercier pour tout ce qu'on ne voit pas encore, tout ce qu'on ne saisit pas encore. Mais Seigneur, on veut déclarer que oui, le bonheur et la grâce, et non pas nous persécuterons tous les jours de notre vie en hébreu. Seigneur, on veut déclarer que ta grâce, ton amour, Seigneur, nous persécute tous les jours de notre vie. Et Seigneur, on veut te louer pour toutes ces choses-là. On veut te remercier, Seigneur. Kola sayataya kayama santa yele kola mayaba santa 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 santa. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Seigneur, merci. Seigneur, comment ne pas te louer quand on contemple ta majesté, tout ce que tu as créé, tout ce que tu as fait, tout ce que tu nous devances même dans nos choix et dans nos erreurs, Seigneur, où tu étais déjà là pour rattraper les choses, Seigneur, merci. Seigneur, on ne peut même pas contenir toute ta grandeur, toute ta splendeur, toute ta majesté. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Jésus pour ce que tu as accompli à la croix. Merci pour ton cœur de Père qui a saigné pour nous montrer combien tu nous as aimés. Merci Seigneur pour ton amour, ton immense amour. Merci d'avoir tous les jours de nos vies les yeux rivés sur nous, qu'aucun cheveu de notre tête, Seigneur, ne tombe sans que toi tu le saches. Seigneur, tous les cheveux de notre tête sont comptés. Merci pour ton regard sur nous, ta bienveillance sur nous. Merci Seigneur pour ton amour, Seigneur. Kola shakaya santa yamakaya taya santolo maye kaya ta santala osambayala osambayala. Seigneur, merci pour ta grâce.
Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Ora sayata santa, santa, santa. Je veux t'élever. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Tu es digne de louange, d'adoration. Seigneur, tu es saint. Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur, tu es digne. Je veux te glorifier. Seigneur, je veux élever ton nom. Je veux déclarer que tu es bon en tout temps. Au nom de Jésus, Seigneur, et merci pour tout ce que tu accomplis. Merci pour tout ce que tu as plani dans nos vies, Seigneur, aussi. Merci pour le travail que tu opères en nous et tout ce que tu amènes à la connaissance de la vérité. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Kola santa yamashaya kaya, sola kayambaya sala, osambayele kele shonto somai samsala keyele lokama yamba santa osama. Merci de nous avoir fait ambassadeurs de ta grâce, Seigneur. Merci pour la confiance que tu as pour nous. Seigneur, merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la vie en abondance, Seigneur. Ola yasha kayata santa yama. Osamba yele. Osamba yele. Korama yata santa, 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 santa. Okama ya santa. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es... Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci de nous comme ça, Seigneur, merci de nous faire grâce sur grâce, de nous faire prospérer à tout égard, de nous faire passer dans de nouvelles dimensions de ta gloire, de ta grâce. Merci de nous faire connaître ton royaume. Merci de pouvoir toucher ta présence et d'accéder à toi, au roi des rois qui a incliné ses regards sur nous. Seigneur, merci pour tout ce que tu libères dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Kola santa yama shakaya santala okama yembele sola sala yama santa yele kele solo 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 solo. Seigneur, la guérison est dans tes parvis, la joie est dans tes parvis, l'abondance et tous nos besoins sont dans tes parvis, sont dans ta présence, Seigneur. Merci pour tout ce qu'on peut puiser. Merci pour le mystère caché de tous les temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire, ce trésor dans lequel on peut puiser, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déposé dans nos vies, Seigneur. Merci pour tout ce à quoi on peut accéder, tout ce qu'on peut puiser dans ta présence, Seigneur. Kola sakayata yashala, osamba yele, osamba yele, korama yaba santa yele, korama ya santa lakayama santa yolo solo 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 solo. Seigneur, tout genou fléchit en ton nom, sur la terre, sous les eaux, sous la terre, sur toute la puissance qui peut se nommer, sur tout ce qui se lève, Seigneur, tu as le nom au-dessus de tout nom et tu règnes à jamais. Ton règne n'aura pas de fin. C'est toi qui vis, c'est toi qui as la victoire, Seigneur, qui a repris les clés, rien ne peut se lever face à toi. Kola yashaka yasanta lama, Yeshua, Yeshua, Kola yashanta samba kayele, Sora yata santa mama mama, Yekele, solo, 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 solo. À toi la victoire, à toi l'honneur. Kola santa yaba shata sala, Okama yendele santa, 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 santa. Et pour toi, Seigneur, je veux tout déposer sur l'autel, Seigneur, et pour aucun autre. Je veux changer de vie, je veux venir dans ta présence, je veux réformer mes voies, Seigneur, je veux déposer des choses qui me coûtent, Seigneur, et vivre une vie transformée. Pour toi seul, je suis prêt à déposer ces choses sur l'autel, à te faire confiance en tout temps. Seigneur, merci pour ta grâce. Kola yesanta yebeke okama yata santa yelele sola anama yelele sokanama yele somba yala santa somba kayele sele o samba yele lele korada santa yele konta mayaba santa 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 santa. Si vous parlez en langue aussi, n'hésitez pas. La Bible dit qu'à la dédicace du temple de Salomon, 120 trompettes ont sonné. Quand Dieu est venu dédicacer son temple, 120 personnes ont parlé en langue. Alors sonnez du chauffard, libérez les sons, les notes, ce que Dieu veut faire jaillir des parfums de votre cœur. Kola sakaya shataya solo solo solo. Merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour les délivrances, merci pour les guérisons. Merci Seigneur parce que tu dresses une table devant nos ennemis, on peut se reposer en toi et s'asseoir dans ta victoire. Seigneur, merci pour le fardeau doux et léger, merci pour la paix dans ta présence. Kola yashakaya santa lamaye, okambayele, osambayele, okaramaya santa, 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 koya makabayata santa yele, koramama, mama, 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 sombayele, sele. Sele, 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 kora maya santa la solo, 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 solo.
Kora maya santa ka yele lele 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 somba yele somba yele somba yele. Seigneur, je viens arroser, Seigneur, de tout ce que je peux arroser sur ta vie, honorer, Seigneur, accueillir ta présence, Seigneur, te faire tous les honneurs. Vous savez, avant l'entrée dans le Saint des Saints, même si c'était l'ancienne alliance, le temple, il parle aussi de l'accès à sa présence et il y avait l'autel des parfums. Donc, Seigneur, on veut vraiment arroser, on veut vraiment parfumer ton trône, Seigneur. Kola yashaka yasanta. Talabakala yele lokama nasai na ona yele osamba yele osamba yele kora samba yele sokama yanta santa 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 kora maya santa 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 ora sama mama 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 kele me shente le solo 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 samba ya. Ne restez pas sur une manière de louer ou d'adorer le Seigneur. Voilà, il y a des endroits où même en mission, des fois il y a des contraintes missionnaires, il n'y a pas d'instrument, la sono grille, et simplement on peut toujours venir dans sa présence. Ne fixez pas sur une manière de louer, sinon vous passez à côté de ce que Dieu veut aussi libérer dans les temps. Kola yaka yashata yasanta, laisse le Seigneur te visiter, laisse jaillir des fleuves d'eau vive de ton cœur, laisse les s'épandre sur les pieds du Seigneur. Kola saka yashata santala, omba yele, omba yele, omba yele, samba kayata yele, lele, 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 lele. Seigneur, je veux me rendre vulnérable à toi. Seigneur, je veux lâcher mes résistances seulement en toi. Je suis en sécurité dans tes bras d'amour et comme une épouse passionnée, je veux venir dans l'intimité, recevoir, m'abandonner, ne passer aucun des bienfaits que je peux avoir dans ta présence. Seigneur, kora sakaya shantala, somba yala santala, sola yamama, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Sora yaka yata ya santala, solo, 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 yamba, ikamba yele, osamba yele, solo, 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 saka yamba yele, solo, solo, solo. Tala mayendele, solo colos, à toi la gloire et l'honneur, Seigneur, à toi le meilleur. Kola santa yebe shanta, santa, santa. Nous ne servirons pas d'autre Dieu, nous ne servirons pas d'autre roi, Seigneur, tu es le seul digne de louange et d'adoration. Sola kayata santama, sola samba yele, santa yama santa, sola kayada santoromai, sam, 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 sam. Kola sama, mon secours est en toi. Toutes mes sources sont en toi, toutes mes ressources sont en toi. Kora santala, ma vie est en toi. Sokayata shantala, solo santayala. Okamamba yele, osamba yele. Tu es le grand je suis, le tout suffisant, celui qui pourvoit, celui qui est, qui était et qui sera, Seigneur. Sokayata yashata, sokolo yata yashanta, lokama yembele. Osantalama, osamba yele, osamba yele. Seigneur, merci. Yeshua, Yeshua. Kola santa maye bele solo, 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 solo. Amen. Nasser et Céline me dit le petit Momo, il parle en langue. Merci de la visitation, merci de tout ce que tu libères sur la vie de Mohamed. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui vient le visiter. Merci en Algérie de venir toucher Seigneur et de venir libérer le Saint-Esprit, libérer les parfums de vos cœurs. Et même si vous ne parlez pas en langue, la Bible elle dit « ouvre ta bouche et je la remplirai ». Alors commencez à libérer ce que Dieu met en vous. Et si votre bouche, si vous avez des sons, des notes, quelque chose que Dieu veut libérer, ne contrôlez pas. Laissez jaillir les fleuves d'eau vive. Sokayata santalama yele. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de toucher, Seigneur, le petit Mohamed. Seigneur, merci pour ta grâce. Kolakayata santa yele lele 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 lele. Somba yele shanta santa 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 santa. Kora mama 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 mama. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous sortir aussi de nos codes, de nos raisonnements. Et s'il n'y avait pas eu ces temps, peut-être que ces choses-là ne se passeraient pas comme ça. Seigneur, tu connais toutes choses et tu es le Dieu qui devance les choses et qui peut casser les codes et les programmes. Seigneur, et on veut simplement rester dans tes plans et Seigneur, suivre la volonté de ton esprit parce qu'en dehors de ta volonté, en dehors de tes plans, on a nos programmes et ils n'accomplissent pas forcément ta volonté. Donc Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Kola kayata santa yelelelelele. Ora sataya makaba.
O samba yele, O samba yele, Sokaya santa, 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 Kora mayanda solo, 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 Imbaya santa, 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 santa. Seigneur, merci pour les langues de feu. Je vois même des personnes qui vont libérer quelque chose d'autre dans le parler en langue, encore plus puissant, comme des langues de feu. Il y aura une puissance à travers le parler en langue. Sokayataya Shantala. Et même si vous ne comprenez pas, le Saint-Esprit est bien disposé pour comprendre les choses, pour libérer les choses, et simplement dans l'intercession. Vous savez, une fois dans une assemblée, toute l'assemblée parlait en langue, et il y a trois personnes qui sont passées à côté de l'assemblée, ils ont entendu du bruit, ils sont rentrés dans l'assemblée, personne ne leur a prêché l'évangile, ils sont tombés en repentance au sol et ils ont donné leur vie au Seigneur, parce que l'Esprit parlait à leur esprit et les a tirés, hors de nos codes, hors de nos raisonnements. Kola yashanta sama mama ma kebe okaya maya tanta sakaya ma shaye lo kontanama esemel okananama eselele me sukuna anama yelelelele suna anama yelelelele suna anama yelelelele sukuna anama yelelelele suna anama yelelelele sukana anama yelelelele usa anama yelelelele sa anama yelelelele sukuna anama yeme usana usana yele sele sele una anama yebele ukuna anama yebe se. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta faveur imméritée, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Sotokoya Shanta Santa Okamayanda la Santa la Sala. Et je sens que le Saint-Esprit veut faire quelque chose de puissant en Algérie, en Kabylie, simplement dans sa présence, lâcher prise, simplement dans la présence du Saint-Esprit, laisser le Saint-Esprit faire, laisser le Saint-Esprit agir. Pourquoi ? Parce qu'il attend qu'il ait la liberté en nous de pouvoir faire ce qu'il veut. Si je vais pleurer, s'il y a des choses que le Seigneur veut faire en moi, s'il veut me visiter, s'il y a des repères qu'il veut que je lâche, il faut que le Seigneur il puisse avoir toute la place. Il faut qu'il aille toute la place et qu'il puisse casser mes raisonnements, casser mes codes, et que je puisse le laisser faire ce que lui, il veut. Kola sambaya santa, santa, santa. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu libères. Merci pour le contrôle aussi que tu casses en nous et les raisonnements et la hauteur intellectuelle, Seigneur. Tu es au-delà de tous nos raisonnements, la folie de Dieu est plus sage que notre sagesse humaine. Ora ya sakayata santa la, ora makabaya santa, 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 santa. Ora ya santa, santa. Seigneur, merci pour ton amour. Et le Seigneur, il dit, n'ayez pas peur aussi. Il y a des choses où il veut casser nos codes, il veut faire des choses nouvelles. Il y a des choses avec le Saint-Esprit que vous allez vivre où le Seigneur, il vous dit, n'ayez pas peur, rendez-vous vulnérable, faites-moi confiance. Vous ne savez pas où vous allez, mais moi, je sais où je vais. Le Seigneur, il libère aussi certaines guérisons dans les cœurs. Seigneur, libère cette onction pour la guérison. Viens toucher, viens avec cette onction toucher dans la guérison des cœurs. Seigneur, surtout ce qui a besoin d'une guérison et d'une visitation dans l'onction de guérison. Au nom de Jésus, que ça soit libéré maintenant. Que ça soit libéré maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce et l'onction qui coule dans la guérison. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Seigneur, et merci pour ce jeune Momo aussi que je vois et qui va prier pour les personnes, même à travers son jeune âge, et les gens vont être guéris. Il va pouvoir témoigner avec puissance de Jésus et de la vie de l'Esprit. Merci pour ce que tu lui donnes. Merci pour le Saint-Esprit et la puissance aussi que tu vas libérer, même à travers les enfants. Seigneur, où tu dis, laissez venir à moi les enfants. Seigneur, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alors Seigneur, merci pour la simplicité. Merci pour la puissance que tu vas libérer aussi, où tu vas casser les codes. Seigneur, merci pour ta grâce.
Il y a des personnes qui se sentent coincées dans certaines situations et le Seigneur, c'est comme s'il y avait un piège qui s'était refermé sur la cheville de certaines personnes et le Seigneur, il est en train de libérer des personnes pour les faire sortir d'un lieu où ils ont marché, d'un lieu où ils ont communié, de quelque chose où ils sont allés, ils se sentent un peu prisonniers. Le Seigneur, il est en train de libérer des chaînes qui sont venues sur la marche au nom de Jésus. Seigneur, que ces chaînes sautent et que la marche pour entrer dans ta destinée, dans tes œuvres prévues d'avance, soit libérée au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu veux toucher aussi les acouphènes, que les acouphènes s'en aillent, que toute la puissance qui vient avec les acouphènes, les problèmes au niveau de l'audition, que les acouphènes maintenant s'en aillent au nom de Jésus, que les acouphènes s'en aillent au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, les problèmes d'arthrose aussi, tu viens toucher les problèmes d'arthrose sur les articulations, les douleurs au niveau des articulations, que tu libères ta grâce au nom de Jésus sur les articulations. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce sur les articulations et tout ce que tu es en train de libérer au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont des douleurs au dos et je vois le Seigneur, simplement mettez-vous contre un dossier de la chaise et tendez vos jambes et le Seigneur, il est en train de rallonger des jambes, il est en train de remettre des choses qui étaient déséquilibrées, qui causaient des douleurs au dos, le bassin et les jambes. Regardez vos jambes et simplement au nom de Jésus, j'ordonne maintenant que les choses s'alignent, que l'équilibre soit et que les jambes se rallongent au nom de Jésus sur tout ce qui était déséquilibré et qui causait des douleurs au niveau du dos maintenant. Tout ce qui vient maintenant, que les jambes se rallongent, que les guérisons s'opèrent au nom de Jésus, que les guérisons opèrent au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la guérison, merci pour la restauration, les jambes rallongées, les choses réalignées, Seigneur, au nom de Jésus, ta grâce. Seigneur, au nom de Jésus, ta grâce. Et Seigneur, il n'y a pas de compétition dans ton royaume, on est tous membres complémentaires à la mesure là où on en est aussi. Que dans les cœurs, Seigneur, tu viennes enlever toute forme de compétition, tout ce qui voudrait envier certaines choses, Seigneur, alors, au lieu de développer le potentiel que tu as mis en chacun de nous. Et on peut perdre toute notre vie à regarder ce que l'autre a sans trouver le trésor que Dieu a déposé en nous et sans le faire fructifier. Donc, Seigneur, décentre-nous de notre ego pour se centrer sur toi. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. N'hésitez pas, s'il y en a qui reçoivent quelque chose ou qui ont quelque chose à partager, reçu de l'Esprit, voilà, vous pouvez allumer le micro et partager, que tout se fasse dans l'ordre de Dieu. Et si vous sentez, vous êtes convaincu de l'Esprit, voilà, de libérer ces choses, on veut donner la possibilité à tout le monde de libérer la parole de Dieu, de sortir de la barque. Voilà, centrez-vous sur, et si on sent que c'est pas aligné, on se sentira de vous reprendre ou d'arrêter là, mais en tout cas, essayez de sortir de la barque. Dieu nous a déjà aimés, pécheurs, et il nous donne le droit aussi de se tromper, le droit d'essayer de marcher sur l'eau et de couler, mais si on sort pas de la barque, on ne saura pas qu'on marche sur l'eau. Donc, osez libérer ce que vous recevez. C'était juste yes, amen. Voilà, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de musique, et ben on va en faire. Amen, amen. Amen, amen. Alors, n'hésitez pas encore, s'il y a des personnes qui veulent libérer quelque chose, voilà, c'est important aussi que vous puissiez, si vous avez des paroles, si vous avez quelque chose, la Bible elle dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins, mais c'est une parole que Dieu va vous donner personnellement, et votre bouche, elle est la porte entre le ciel et la terre pour libérer la grâce de Dieu sur la terre comme au ciel. Et il y a des choses qui ne se feront pas sans votre voix, sans votre action, puisque Dieu nous a voulu participants. Oui, David ? Moi, j'ai vu esprit de python. Alors, au nom de Jésus, tout ce qui se camoufle dans le corps du Christ, là, comme esprit de python, tout ce qui veut se faire prophète alors que c'est un esprit de divination, au nom de Jésus, te chasse maintenant. Tu pars. Tout ce qui vient de la divination, tout ce qui vient de la lignée, de ce qu'on a, tout ce qui a été entamé dans le monde spirituel avant,
Ça part maintenant au nom de Jésus. Esprit de Python, tu pars maintenant. Ok, je vais simplement, si tu veux, Marc-Olivier, allumer ton micro et libérer les chants en langue, parce qu'il y a quelque chose aussi à travers tes chants que tu as et que tu reçois de Dieu. Donc, si tu peux allumer ton micro, voilà, et libérer ce que tu voilà, ce que t'as sur le cœur. Hein. Mais je chante en langue, alors je ne sais pas, je vais voir. Vas-y, vas-y. Shalom mukeruelo, maleros neruelo, mukeruetelie no malerue que bello. Onde mies neruelie, ni mano luero, donde luces no male que do luero huero. Ullo de luero, ni mano luero, males un seruero, humero que luede, medi, medi, medi suero. Uva madero, madre nos neruero, humano acheruero, madre lo que huero, une menesero, menes un teruero, menes un teruero, madre se de luede mero. Je ne vais pas aller plus loin. Merci. Et Roland, ton son est fur un petit peu et c'est compliqué. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tu as chanté, il y avait vraiment quelque chose qui se passait, Marc-Olivier. Donc, libérons, hein, même si ça nous paraît un petit peu des fois, voilà, ce qu'on reçoit fou. Voilà, libérez ce que le Seigneur vous donne à vous personnellement et ce qu'il donne à l'un personnellement n'est peut-être pas ce que Dieu donne à l'autre. Alors, voilà, sondons la conviction de l'esprit pour libérer ce qu'on a. Kolaya Shanta Mamama. Quelqu'un qui a un problème au niveau du bassin, une douleur en bas du dos aussi, Seigneur, j'appelle ta grâce et ta restauration, Seigneur, que tu viennes guérir, que tu viennes toucher au nom de Jésus, Seigneur, toutes les douleurs en bas du dos, Seigneur, ta grâce au nom de Jésus, ta grâce au nom de Jésus, ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, aussi, tu viens toucher des personnes, des fois, qui ont des peurs de se lancer parce qu'ils ont la peur de mal faire. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il nous laisse aussi des fois se tromper. La Bible, elle dit « le juste tombe et Dieu le relève ». Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il faut que tu te permettes d'avoir le droit à l'erreur puisque Dieu te le permet. Maintenant, il ne faut pas vouloir se vautrer dans l'erreur consciemment, mais dans la marche, on va faire des erreurs. Il n'y a aucun enfant qui apprend à grandir simplement parce qu'il est tout parfait en théorie et qu'il a fait il a eu tous les cours de ses parents, toute la bonne théologie. Des fois, on a besoin de faire du skate et de se râper les genoux pour voir que ce n'est pas comme ça qu'on doit faire telle ou telle chose. Des fois, on a besoin de faire tel ou tel métier pour se rendre compte que dans la menuiserie, on se met des échardes si on tient le bois comme ça ou tel instrument se manie comme ça. On va faire des erreurs et dans l'expérience aussi, Dieu va réaligner. Donc, il faut se donner le droit à l'erreur. Mais attendre d'être tout parfait pour commencer à se mettre en mouvement, peut-être qu'on ne se mettra jamais en mouvement. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu libères au nom de Jésus. Le Seigneur, il veut faire tomber aussi les écailles des yeux de certaines personnes afin qu'ils voient dans le domaine spirituel, qu'ils aient un discernement spirituel aussi et qu'ils puissent voir aussi quelque chose de nouveau dans la réalité de l'Évangile. Les yeux, c'est l'organe de la connaissance. Hein. Les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus.
Et donc, la fausse connaissance de l'ennemi, elle amène un aveuglement dans le spirituel, et quand Dieu vient mettre sa lumière, ça amène une révélation. Paul, qui croyait avoir la lumière de Dieu et persécuter la vérité, il est d'abord tombé aveugle à sa propre condition pour retrouver la vue et la vérité en Christ. Donc, Seigneur, fais tomber les écailles des yeux et viens nous amener dans la vérité de ta parole. Viens libérer le discernement sur toutes les sources de fausses connaissances qui nous ont amené un aveuglement sur nos vies. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. J'ai l'impression aussi que le Seigneur, il veut libérer des miracles et des prodiges. Vous savez, on a déjà eu à Madagascar une bague en métal qui s'est changée en bague en or. On a eu des pierres précieuses qui sont apparues. Il y a des choses surnaturelles. Et dans la fin du verset de Jean, il dit qu'il n'y a pas tous les miracles que Jésus il a fait. Sinon, il aurait fallu une grande quantité de livres et le monde même n'aurait pas pu les contenir. Donc, Seigneur, je veux libérer le miraculeux. S'il y a des bijoux que tu veux toucher, des choses que tu veux faire apparaître, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, et tous les trésors du ciel, la mer de cristal, toutes les pierres des sacrificateurs et toutes ces choses-là, Seigneur, toutes les choses les plus précieuses, tu veux les libérer pour ton peuple. Alors, fais des signes, des miracles et des prodiges. Libère l'huile spirituelle aussi, viens visiter certains. Libère aussi, Seigneur, sur les bijoux et viens libérer l'or et mets ta gloire au nom de Jésus sur tout ce qui a besoin d'une visitation, et tu fais ces choses aussi pour nous emmener dans une nouvelle dimension et élargir l'espace de notre temps. Donc, Seigneur, j'appelle tous les signes, les miracles et les prodiges que tu veux libérer pour cette soirée, Seigneur, et que tu viennes percuter nos consciences et notre incrédulité pour nous faire passer dans une nouvelle dimension de la foi. Élargis l'espace de nos tentes, Seigneur, fais apparaître de l'or, libère les pierres précieuses, libère le miraculeux et le surnaturel sur cette soirée, Seigneur, les signes, miracles et les prodiges, Seigneur, viens visiter tes enfants là où ils sont. Viens les surprendre là où ils sont. Viens commencer à déposer dans leur cœur que c'est possible de vivre une autre réalité et de marcher sur l'eau de ta parole. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus. Kola shakayata santa la mama mama. Est-ce qu'il y en a qui reçoivent encore quelque chose? N'hésitez pas, après je vais laisser la place au prophète Martin Charton. N'hésitez pas, hein, faites-vous confiance. Voilà, s'il y a quelque chose qui vient dans votre cœur, je sais qu'il y a beaucoup plus des fois et que le Seigneur il est un peu attristé de certains qui n'ont pas osé libérer ce que Dieu leur avait donné. Et donc, c'est important aujourd'hui de déposer sur l'autel ce que Dieu nous donne. Dieu nous dit, va avec la force que tu as. Et même si on est timide, des fois, eh bien, il nous demande quand même de faire ce pas, de sortir de la barque. Il y a quelque chose qui nous coûte aussi de rentrer et d'oser affirmer ce que Dieu fait. Il y a Roxane qui a écrit quelque chose. Alors, Roxane, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas. C'est où? Rox. Je voyais une casquette de diamant pendant la louange, Marc. Ok, super. En fait, j'ai vu une casquette de diamant et en fait, cette casquette éclaboussée et tous les projectiles qui partaient de cette casquette hein, se retrouvaient dans le ciel et étaient comme transformés et se mettaient à la place des étoiles. Et j'avais pensé que notre louange, en fait, les diamants, ça représente notre louange. Et c'est comme si notre louange se retrouvait dans le ciel. Elle brille dans le ciel et notre louange est éternelle. Tout ce qui est lié sur la terre est éternel dans le ciel. Notre louange est brillée et elle est éternelle. Amen, amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok. Merci Seigneur. Coucou Michael Setti. Oui, moi j'ai eu une pensée, une vision en fait. C'est que je voyais le Seigneur, la parole, la parabole du semeur. Et je voyais le Seigneur jeter donc le blé. Mais en fait, ici, c'était plus du blé. C'était des
des dorés, des choses dorées, comme des, bon, là elle a parlé de diamants, mais moi j'ai vu des choses dorées, et en fait ça parlait de nous maintenant, qu'on allait recevoir ces, à chacun là, ce qu'il a prévu, des choses dorées, donc des bénédictions, quelque chose comme ça, et qui distribuait comme ça, en jetant comme ça cela au sol, comme ça il jetait, il avançait, voilà. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Okay. Il y a quelque chose encore que le Seigneur me montre avec l'alliance aussi, comme une alliance. Et voilà, il y a une alliance qui est comme là, prête à sortir du doigt. Et je pense que c'est des personnes qui, peut-être une personne, mais en tout cas qui... Voilà, se questionne un peu sur Dieu, sur le Seigneur, qui voit peut-être pas arriver ses promesses et même qui se dit, mais à quoi bon sert cette alliance ou quoi, j'en vois pas les fruits sur ma vie. Et c'est comme si elle devait tenir ferme et repositionner cette alliance au niveau du doigt, voilà, et tenir ferme dans un positionnement, parce que l'ennemi essaye justement par tous les moyens. Paul, il dit, hein, il a eu des combats aussi, l'apôtre Paul, dans la prison, il a eu une écharpe dans sa chair, il a prié Dieu de l'enlever, Dieu lui a dit « ma grâce te suffit ». Ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas le guérir, mais dans sa grâce, il y avait le tout suffisant pour sa vie à puiser. Et il y a eu des combats et il dit « j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Et des fois, le combat aussi, c'est de garder cette alliance et de la garder fermement ancrée, qu'on voit ou qu'on ne voit pas. C'est, est-ce qu'on suit Dieu des fois parce qu'on a ce qu'on veut, parce qu'on est béni, ou est-ce qu'on suit Dieu parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Et c'est sur ça que doit être fondée aussi les bases de notre foi. Et bien sûr que Dieu nous arrose dans ce chemin, mais des fois il y a des temps de percée, des fois il y a des combats, des fois il y a des choses qui ne seront pas accessibles comme on veut, et le tout c'est de combattre le bon combat et de garder la foi. Alors, Christ qui dit qu'on puisse réussir davantage dans les autres sans que l'on s'observe trop soi-même. Il y a des personnes qui disent « je reçois une grande joie aussi. Seigneur, merci pour la visitation dans la joie et ce que tu libères, ce que tu fais dans les cœurs. Seigneur, au nom de Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. » Ok, prophète, il y a quelqu'un qui veut encore dire quelque chose ? C'était moi, pardon. Excuse-moi. Oui, coucou. Coucou. En fait, moi, je sentais fort qu'il y avait vraiment une nouveauté dans la vie de l'esprit. Et ça fait un moment que ça me travaille. Et là, encore ce soir, quand j'entendais la louange, tout ça, et je sens vraiment qu'il y a un changement dans la vie de l'esprit, quelque chose de fort que Dieu veut réveiller en nous et en dépassant vraiment les limites et le cadre que l'on connaît, quoi. Voilà. Amen. Amen, amen. C'est pas mal d'avoir des programmes, voilà, comme on discutait avec plusieurs pasteurs, hein, mais il faut être à même de dire au vent du Saint-Esprit, quand il veut casser certains programmes, certaines manières de faire, de pouvoir aussi le faire. Hein. Moi, je me rappelle que j'avais un ami qui était à une conférence et puis il avait prévu tout son message et puis aujourd'hui, Dieu lui dit, bah, tu ne vas pas prêcher, tu vas t'occuper de la personne du SDF qui est dehors et tu laisses d'autres ministères faire la conférence que toi, tu devais faire. Ben, il faut être aussi malléable à ce que Dieu veut faire. Ou il y en a d'autres où Dieu leur a dit aujourd'hui, il n'y a pas de prêche, c'est que de la louange. Ou aujourd'hui, c'est simplement communion fraternelle. Et voilà, il va falloir aussi être… C'est pas mal d'avoir des cadres et d'avoir un programme. Paul, il dit qu'il a voulu aller à un endroit et l'ange du Seigneur l'en a empêché. Donc, il avait son programme, il avait aussi sa direction. Il commençait à se mettre en mouvement dans quelque chose. Mais il faut pouvoir laisser le Seigneur aussi libre de pouvoir casser nos programmes. Ok, prophète Martin, je ne sais pas si vous êtes là, je ne vois pas sur les vignettes. Oui, voilà, bonsoir. Bonjour Cyril, bonjour à tous ceux qui nous sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse depuis la Suisse. Je me trouve en Suisse, c'est le plus beau pays après la France. Et je suis heureux de pouvoir être avec vous ce soir. C'est la deuxième fois que j'ai l'honneur d'être parmi vous, puisque Cyril m'a déjà invité une fois. Et je suis heureux d'être parmi vous. Donc, j'habite en Suisse.
à 65 km de Genève, à côté de Lac-Léman, pour ceux qui connaissent un petit peu la Suisse. Voilà. Et je m'appelle Martin Charton. Je suis vietnamien d'origine et je suis marié à une épouse. On a plus de 20 ans de mariage. On a un enfant de 18 ans. Et dans le corps de Christ, j'exerce un ministère prophétique dans différentes nations francophones, puisque j'ai un appel pour la francophonie. Et c'est magnifique. Amen, amen. Donc, on est heureux encore de te recevoir, voilà, et de voir tout ce que tu vas apporter encore dans cette soirée. Simplement, je voudrais faire un petit rappel aussi pour l'Assemblée. On est content d'avoir des invités et on veut aussi honorer tout ce que les invités portent. Et je le remets dans la fenêtre de discussion aussi sur le Zoom et je le renverrai pour d'autres. Un lien pour pouvoir aussi soutenir, honorer les ministères qui viennent nous équiper. Voilà, c'est biblique. La Bible dit que ceux qui annoncent l'Évangile, ils peuvent vivre de l'Évangile. Et c'est important aujourd'hui d'accueillir quelqu'un et de pouvoir porter toute son œuvre et tout ce qu'il porte aussi pour pouvoir faire un accueil à son onction et prendre part à son onction. Voilà, l'arroseur est aussi arrosé. Donc, je vous invite à soutenir Martin. Voilà, je sens que le Seigneur veut vraiment le libérer de plus en plus pour le ministère et voilà, qu'on puisse aussi vraiment l'honorer comme il nous honore de ce qui va nous arroser. Ben, nous, ce qu'on peut faire à notre part aussi, pouvoir accueillir tout ce qu'il est et tout ce qu'il porte. Donc voilà, je te laisse toute la place pour libérer ce que tu veux libérer ce soir. Et voilà, merci Seigneur pour ce ministère qu'on accueille avec les anges et tout ce qu'ils portent. Voilà, bénédiction Martin pour ton message. Amen, gloire à Dieu. Voilà, décidé de prêcher debout puisqu'on est plus à l'aise. Alléluia, gloire à Dieu. Donc pour encourager les uns les autres, je ne suis pas plainte de ministère, je travaille à 50%, j'ai diminué mon travail pour pouvoir passer du temps avec la famille et l'intimité avec Dieu. Voilà, c'est libérer du temps et c'est ça qu'on a besoin. Voilà. Et pour ceux qui veulent connaître mon témoignage, eh ben, vous allez sur ma chaîne YouTube qui a le même nom et prénom qu'affiché et vous trouverez mon témoignage, comment je suis converti. Voilà. Et le but de la prédication de ce soir, le thème s'intitule « La prière exaucée ». Parce que beaucoup de chrétiens m'ont posé la question ou discuté entre eux, comment savoir si on peut savoir qu'on peut être exaucé avant. Et ça, c'était une bonne question. Et plusieurs fois, nous avons eu des échecs de la prière. J'ai eu des échecs. Et c'est parfois à l'impression que c'est une loterie et pourtant non. Dieu est un père. Et je vais rassurer tout de suite tout le monde en disant qu'il n'y a pas de recette. Amen. J'ai essayé de lire certains livres qui avaient certaines méthodes pour recevoir de Dieu. Et c'est... Non. Et voilà. Il n'y a pas de méthode. Mais ce que Dieu demande, c'est qu'on puisse pouvoir s'approcher de lui, déjà le connaître. Et il y aura des choses... Dieu va exaucer. Il y a des doucements de prière dans nos vies. Il y a des exaucements de prière qui est pour chacun d'entre nous. Amen. Mais quelqu'un a dit que les échecs, c'est l'escalier qui conduit au succès. Les échecs, c'est l'escalier qui conduit au succès. Et c'est avec joie que nous pouvons nous approcher de notre Seigneur qui nous connaît, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par lui. Et c'est bon de pouvoir apprendre à être dans cette présence et pouvoir rentrer dans la présence de Dieu pour pouvoir découvrir la personne qu'il est. Amen. Parce que Dieu n'est pas un ordinateur, Dieu n'est pas une méthode spirituelle. Dieu est un Père, Dieu est amour, Dieu t'aime. Voilà. Dieu a tant aimé le monde qu'il y a des offices uniques afin qu'il compte, que le Père espoir mais puisse avoir la vie éternelle. Et c'est cela. Dieu n'est pas un ordinateur, il n'y a pas de méthode pour arracher les bénédictions de Dieu, mais il a toute autorité sur la terre et dans les cieux. Donc le texte que j'ai pris, le verset, qui va nous servir un peu de toile de fond, c'est Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20, dans la Bible Second 21, il est écrit « Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous seulement un dimanche par semaine. » Non, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Nous sommes tous appelés à rentrer dans une vie de prière et il y a on va avoir différentes facettes. Pourquoi, quand on prie, eh ben, des fois on n'est pas exaucé,
Est-ce qu'on a mal prié? Ça peut être possible. Est-ce que Dieu est sourd? Est-ce que Dieu préfère quelqu'un d'autre? Non, pas du tout. Dieu nous aime tous. Amen. Dieu nous connaît tous. Dieu a une destinée fantastique pour chacun d'entre nous. Dieu désire que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Amen. Des hommes et des femmes de prière, ce sont des hommes et des femmes qui ont fait la différence dans l'histoire de l'Église. Des hommes et des femmes de prière, ce sont ceux qui font bouger les cieux. Ce sont ceux qui font mettre au mouvement les anges. Amen. Et avant que j'oublie, j'avais reçu pendant le temps de louange, j'avais reçu cette vision pour l'Assemblée collectée ici. J'ai vu une diligence qui avait deux chevaux devant et qui était noire, et il y avait quelqu'un qui conduisait cette diligence, et est aussi habillé de noir, et cette diligence avançait dans la nuit et on ne la voyait pas. Il fallait vraiment sortir de la rue pour qu'on puisse voir qu'il y a un véhicule de l'époque qui passait. Voilà, ça c'est la vision. La signification de cette vision, c'est que cette assemblée collectée va avancer dans la présence de Dieu, dans la connaissance de Dieu, dans le surnaturel, mais personne ne va voir. C'est-à-dire que ce n'est pas vu par les médias, ce n'est pas vu par certaines familles d'église, ce n'est pas vu par certains ministères, mais c'est vu aux yeux de Dieu. Et dans la nuit, cette diligence qui représente cette communauté que vous êtes collectée va avancer dans la direction. Et la direction, c'est la maturité, c'est la dépendance au Seigneur. Et voilà, et c'est quelque chose qui semble pas être spectaculaire, mais une fois qu'on a avancé, une fois que le jour paraîtra, vous pouvez vous retourner et vous verrez qu'il y a eu des kilomètres qui ont été faits. Il y a des passages, des réglages qui ont été faits dans votre vie. Il y aura des attitudes, des manières différentes de percevoir l'Esprit de Dieu, de percevoir la Bible. Et je sentais vraiment que c'est un temps où Dieu est en mouvement. 2023, c'est un temps de mouvement. Et cette diligence est partie dans la nuit et personne ne voit. Et il y a seulement la personne qui a le chapeau qui conduit, qui était noir, qui représente le Saint-Esprit qui conduit. Et la diligence, c'est vraiment telle que l'Assemblée collectée. On ne la voit pas. C'est présent sur l'Internet, dans les réseaux sociaux, mais on ne la voit pas forcément si on n'est pas connecté. Mais il va avancer. Cette diligence avance dans sa destinée et les gens peuvent être bénis, guéris et fortifiés. Et c'était vraiment très fort que c'était un temps où la nuit était comme prolongée parce que Dieu voulait vous garder, Dieu voulait vous consoler, Dieu voulait vous relever, Dieu vous appelle à une nouvelle maturité et dépendance de lui. Il y avait aussi un temps de remise en question, il y avait aussi un temps de renoncement et surtout le calcul d'un prix à payer, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Que celui qui nous a écoute, c'est que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Alléluia. Je voulais donner ça maintenant parce que j'ai peur de l'oublier. Voilà. Alors, on revient dans l'introduction pour la prière exaucée. Je me suis dit, il y a quelque chose de naturel et surnaturel. Donc, quand on va, quand il y a un accident de la route, dans les hôpitaux, aux urgences, il y a les ambulanciers qui viennent et ils ont un diagnostic. Voilà, femme de 20 ans, bras cassé, etc., coupe sanguin, etc. Ils donnent un maximum d'informations. Et après, les médecins vont soit l'opérer, soit lui mettre sous perfusion, etc., soit la plâtrer. Voilà, il y a quelque chose. Et j'ai compris qu'au niveau spirituel, c'est la même chose. Nous devons aussi, en tant qu'enfants de Dieu, pouvoir faire des diagnostics. Voilà. Et alors, des fois, que les médecins agissent, il y a des bons diagnostics. Et puis, la personne, on sait tout de suite que sa guérison va prendre un certain nombre de temps. Et la personne est guérie physiquement. Mais spirituellement, aussi, c'est la même chose. On devrait pouvoir arriver à avoir un diagnostic qui soit le plus proche possible de la réalité. Voilà. Quand j'ai perdu ma mère adoptive, quand j'étais jeune, parce qu'au début de ma conversion, voilà, on m'a dit, oh, Martin, il faut 2 ans ou trois ans pour qu'une personne qui subit un décès, s'il veut être plus de séquelles, puis avancer dans la vie, il faut 2 ans maximum. Voilà, pour pouvoir être guéri par Dieu avec des prières, avec des encouragements de la part des responsables d'église. Voilà, j'ai dit bon, ok. Eh bien, le Seigneur, il n'a pas fait ça. Il a, au bout de 3 mois, Dieu m'a relevé. Parce qu'il est, il fait ce qu'il veut et il règne. Voilà. Donc, il a eu un diagnostic qui sont pris, qui est peut-être pour certaines personnes, mais en tout cas, pour moi, c'était plus rapide. Gloire à Dieu. Et spirituellement, il y a des fois des prières qu'on peut croire qu'on est exaucé et on l'est. Voilà, on va avoir 3 moyens par lesquels on peut poser des diagnostics et où il y a une qu'on appelle une possibilité où Dieu agisse.
Un pasteur a dit, Dieu entend toutes les prières, mais il répond seulement à celles par la foi. Et j'aime beaucoup cette définition. Dieu entend toutes les prières, mais il répond seulement à celles qui sont faites avec foi. Donc, le premier moyen par lequel on peut avoir un diagnostic, c'est la prière pour la destinée. Amen. Il y avait un pasteur américain qui avait un pasteur de plusieurs églises et puis qui avait plusieurs personnes de son monde. Et quand il priait, les gens avaient des difficultés financières, de travail, tout ça. Et il priait, il se fatiguait et il n'y avait pratiquement pas beaucoup de résultats. Amen. À croire que les problèmes des gens étaient plus forts que l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas vrai, mais en apparence, voyez. Et jusqu'au jour, il a pris le temps de jeûne et de prière et Dieu l'a dit, prie plus pour les problèmes des gens, prie pour leur destinée. Alors, il a commencé à prier pour les destinées des gens. Et les personnes avaient des dettes, les personnes n'avaient pas de travail. Et les alors, tu pries pour que ce frère ou cette sœur ou cet enfant ou cet aîné rentre à sa destinée. Et aussitôt, il y a quelque chose qui s'est passé. Les personnes ont retrouvé le travail. Les personnes ont retrouvé des situations. Il y a eu comme Dieu agissait. Il n'agissait pas avant, mais il agissait là parce qu'il avait misé sur la destinée. Voilà. Et je crois que nous devons... Des fois, il faut prier le problème, mais des fois, il ne faut pas prier le problème. Il faut prier la destinée. Parce que Dieu nous voit déjà 10 ans plus loin. Dieu sait déjà, dans 10 ans, qu'est-ce que vous serez dans 20 ans, dans 30 ans. Amen. S'il n'est pas encore revenu. Amen. Et si on est bloqué en prier sur un problème du présent, maintenant, eh bien, ça va se résoudre d'une certaine manière. Parce que Dieu veut qu'on puisse aller dans la destinée qu'on a prévue. Et pour cela, il faut qu'on veuille. Amen. Quelqu'un a dit, Dieu ne nous délivrera jamais de nos amis, mais il nous délivrera toujours de nos ennemis. Dieu ne nous délivrera jamais de nos amis, mais Dieu nous délivrera de nos ennemis. Donc, si nous avons des dettes, si nous avons des difficultés, eh ben, si nous demandons pardon à Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner, il nous purifie de toute iniquité. Amen. On peut aller de l'avant. Il y a des transformations, des vies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'erreur, comme a dit Cyril, mais Dieu va intervenir. Amen. Voilà, je savais. Et c'est ça l'important, c'est pouvoir découvrir qui est Dieu. Et après, savoir quoi on nous appelle. Quoi vous êtes appelé, frères et sœurs, que ce soit un ministère caché, un ministère public, que qu'il en soit. Après, mettez-vous en marche, servez Dieu, louez Dieu, avancez et Dieu mettra les choses en place. Moi, je n'ai pas commencé comme ministère prophétique, j'ai commencé dans l'évangélisation parce qu'il n'y avait personne qui allait, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et j'ai servi pendant 3 ans dans l'évangélisation. Et là, j'ai appris le combat spirituel, j'ai appris travailler avec d'autres chrétiens, d'autres églises, j'ai appris à dire la vérité avec les gens, et je retrouve cela dans mon ministère prophétique bien des années après. Donc, on voit que nous allons en marche, nous avons une destinée. Amen. Et on voit que dans le livre des Actes, dans Actes 6, on voit par exemple Étienne et Philippe. C'est intéressant que d'abord, ils commencent par des diacres. Un certain temps. Après, Philippe finit comme étant un évangéliste. Amen. Parce que c'était ça son appel. Mais il devait passer par autre chose. Et plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs enfants de Dieu passent par des choses qui servent, où il y a quand même une certaine bénédiction qui est là, mais ce n'est pas leur appel final. Amen. Donc, il ne faut pas se décourager. Alléluia. Il faut avancer. Et puis, même après, si les gens ont appelé un ministère d'Éphésiens 4:11, apôtre, prophète, pasteur, docteur, enseignant, eh bien, certains passent par le ministère pastoral et après, ils deviennent un autre ministère. C'est comme si le ministère pastoral n'est pas méprisé, mais c'est une voie, on doit passer par obligation. Et je connais plusieurs serviteurs de Dieu, comme le prophète américain Eugène May. Il était plusieurs années pasteur. Après, Dieu l'appelait un ministère de prophète. Et d'autres serviteurs de Dieu, c'est la même chose. Mais des fois, l'erreur dans cette démarche, c'est que des fois, des personnes s'arrêtent au ministère de prophète, non, au ministère de pasteur, mais ils ne vont pas plus loin. Ils ne vont pas évangéliste, ils ne vont pas prophète, ils ne vont pas apôtre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécurité. On reconnaît le ministère pastoral. Voilà. Et voilà. Et c'est ce qui est arrivé dans une pastorale en Suisse, romande. Il y avait une fois eu un prophète qui est venu enseigner une famille d'église et il a dit, je vois deux personnes, deux pasteurs, vous êtes là, vous êtes tous serviteurs de Dieu, mais il y a deux personnes qui sont bloquées au ministère pastoral. Vous souffrez au fond de vous, votre église est bénie parce que Dieu ne tient pas compte de votre cœur dans le sens qu'il n'est pas limité, mais votre ministère vous appelez très évangéliste. Mais c'est à cause de l'argent, vous avez peur, là vous êtes soutenu par votre église. Voilà. Et ils avaient vraiment un appel très fort de la part de Dieu à travers ses prophètes à lâcher le ministère pastoral pour rentrer dans un ministère d'évangéliste itinérant. Amen.
Alléluia. Donc la destinée, c'est quelque chose d'intéressant. Et nous avons tous une destinée. Amen. Personne ne peut dire « je n'ai pas de destinée ». Non, peut-être que tu ne vois pas aujourd'hui où tu en es. Peut-être que tu as avancé, tu t'es arrêté, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu a une destinée, Dieu a un plan. Amen. Si vous prenez l'exemple de Joseph. Joseph, celui qui a eu les rêves, celui qui a parlé à ses frères trop vite de ses visions. Après, il était vendu en Égypte, etc. Il a eu chez Potiphar, il était trahi de nouveau. Et si on s'arrêterait à ce qu'il vit au moment, si on fait un flash sur sa vie, si on est au moment de la citerne, ou au moment où il est chez Potiphar, ou en prison, on dira « oh là là, le plan de Dieu ne pourra jamais s'accomplir ». Mais non, à la fin, il est le numéro 2 après Pharaon. Et je crois que Dieu est un Dieu de destinée. Dieu est un Dieu qui répond à la prière. Amen. Il veut répondre, il veut donner, il veut aimer, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Donc, le diagnostic que nous pouvons avoir, c'est prier les destinées des gens ou des églises. Et c'est intéressant. Il y avait un ami à moi qui est africain. Quand il est né, il était malade au bout d'un moment, à l'âge de 6 ans. Et après, il est allé sur une chaise roulante parce que la maladie était de plus en plus forte. Et sa mère avait reçu comme quoi il allait être un prophète parmi les nations. Il a dit, tu ne peux pas faire ça, Seigneur. Il faut le guérir parce qu'il a un appel à être prophète parmi les nations. Et mon fils, il est déjà né de nouveau. Merci, Seigneur, déjà d'avoir trouvé. Mais il est en chaise roulante. Et pendant 2 ans, cette femme a prié avec 2 ou 3 sœurs. Et un matin, pendant le culte, dans la louange, cette personne prie pour lui, cet enfant s'est levé. Amen. Il a été guéri. Et après, il a fait une école biblique et il est rentré de l'appel. Et il a un prophète dans toute une région africaine. Alléluia. Je ne sais plus de quel pays d'Afrique, par contre. Voilà. Mais c'est pas important. L'important, c'est de savoir que sa maman a prié la destinée. Amen. Si tu l'appelais à être prophète, il sera guéri. Alléluia. Donc, c'est un encouragement à prier pour les destinées. Ensuite, le point 2 que nous allons voir après prier pour les destinées, pour un diagnostic, pour être presque sûr que Dieu va nous exaucer, c'est la foi. Amen. Sans la foi, est impossible de plaire à Dieu, nous dira la parole. Alors, j'ai dit sans la foi, mais pas forcément une grande foi, mais une foi qui est existante. Voilà. Et dans la vie que nous menons, que nous soyons à mi-temps de mystère ou à plein temps, ou nous ayons un travail et nous avons Dieu en dehors, la foi est une chose que l'ennemi va attaquer. Amen. Il va tout permettre pour pas qu'on les habille, pour pas qu'on écoute des témoignages, pour pas qu'on soit édifié par les uns les autres. Il va tout faire pour que notre foi diminue. Parce qu'il sait que la foi, on peut dire, c'est comme une monnaie spirituelle qui plaît à Dieu. Et il y a des moments où je m'examine dans la foi. La Bible dit examinez-vous pour voir si vous êtes de la foi. Et plusieurs fois, je maintiens ça, même si je ne prêche pas tous les jours, même si je ne pas les dons de l'esprit tous les jours, je sais qu'une chose, c'est que je dois maintenir ma foi vivante. Et quand quelqu'un m'appelle au téléphone, qui a une difficulté, qui a un problème, et bien là, parce que ma foi est existante, parce que ma foi est vivante, et bien alors là, je peux prier. Et il y a souvent un exaucement et une victoire. Amen. Des fois, une seule prière. Des fois, quelques prières. Et des fois, il faut persévérer. J'ai prié pendant une année avec une sœur qui voulait se marier. Et on a prié une demi-heure pendant une année, une fois par semaine. Et puis maintenant, elle a rencontré quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce n'est pas nous qui choisissons hein, le nombre de prières. Des fois, il faut une prière et puis on est libéré ou il y a quelque chose qui se passe. Et des fois, il faut plusieurs prières. Mais ce qui compte, c'est qu'il puisse avoir la foi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de travailler à mi-temps pour justement pouvoir passer plus de temps avec Dieu et plus de temps aussi avec ma famille pour pouvoir que ma foi soit maintenue vivante. Amen. Parce que j'ai remarqué que c'est un travail, si je travaille à 100%, eh ben, je vais quand même lire la Bible, quand même prier, oui, oui, mais il n'y aura pas autant. Et j'ai besoin d'avoir une foi vivante et solide pour pouvoir aider les autres. Amen. La foi vient de ce que l'on entend, ce que tu avais de la parole de Dieu, mais de la lecture de la parole de Dieu vient de entendre les témoignages. Et puis quand on met la parole de Dieu en pratique, amen,
si vous avez prié pour quelqu'un pour la première fois pour un malade, et la maladie guérit, même si c'est un mal de tête, même si c'est une grippe, eh ben, c'est quelque chose qui nourrit votre foi. Et vous voyez Dieu différent. Et vous croyez, avant vous saviez que Dieu guérissait, maintenant vous l'avez vécu. Amen. Alléluia. Et cette foi doit être maintenue. Et ça, ce n'est pas les autres qui le font, c'est nous. Ce n'est pas nos responsables qui le font. Voilà. On a été sauvés personnellement. Dieu nous a sauvés personnellement. Et bien également, on a une foi personnelle. Amen. On ne peut pas s'appuyer sur la foi des autres. Peut-être quand tu es nouveau converti, s'il y a un problème, on peut comprendre qu'on peut s'appuyer sur la foi des aînés ou des responsables. Et c'est normal. Mais la marque tant mal de Dieu, c'est qu'on soit indépendant. Indépendant. Dans le sens qu'on n'a pas besoin à chaque fois d'avoir de l'aide, mais qu'on puisse aussi se débrouiller soi-même. Amen. Et si la foi vient de ce que l'on entend, l'incrédulité vient aussi parce que l'on entend, parce que l'on voit. Amen. C'est pour ça que quand j'ai su que je venais prêcher ce soir, et comme je le fais aussi ailleurs, eh ben, deux jours avant que je vais prêcher, que ce soit par Zoom ou présentiel, je ne regarde plus les informations. Voilà. Pendant deux jours, je ne regarde plus les informations parce que je veux comme un peu me dépolluer. Et puis, j'ai remarqué depuis que je fais ça, c'est pas un truc, mais c'est ce que m'est demandé pour moi. Voilà. On a un salut personnel. On a aussi une marche avec Dieu personnel. Amen. Jean-Baptiste, tu imagines des sauterelles. Bah, c'était pour lui seulement. Amen. Pas demander qu'une église qui mange maintenant des sauterelles. Pas du tout. Non. Donc, la foi doit être maintenue vivante. Voilà. Et il suffit d'avoir la foi comme un grain de moutarde, hein, le dira la parole de Dieu. Mais une vraie, véritable foi. Et quand il y a des problèmes, ben on est là pour y répondre. Amen. Soit tu es la solution au problème, ou soit tu peux rien faire, tu ne peux pas aider. Il faut pouvoir apporter des solutions. Dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, mais moins de personnes ont des solutions. Et un serviteur de Dieu a dit, tu devrais être connu par les solutions que tu as résolues au lieu des problèmes que tu as causés. Amen. Il y a aussi le don de foi qui peut aussi venir à un certain moment. Dans 1 Corinthiens 12, il y a les neuf dons de l'esprit et il y a un don de puissance qui s'appelle le don de la foi. Amen. C'est une foi qui est surnaturelle. Voilà. Il y a plusieurs fois. Il y a la foi qui vient de Dieu, selon les Éphésiens. La foi est un don de Dieu pour le salut. Il y a la foi vient de notre temps, vient de la parole de Dieu. Et puis, il y a la foi qui vient par le don de l'esprit qui est donné, le temps de prière ou de libération. Et des fois, des gens qui sont devant certains orateurs sont donc confrontés devant une guérison d'une personne qui est vraiment presque morte ou comme ça. Eh bien, ils ont besoin de ce don de foi ou pour aller en mission ou pour faire un acte héroïque avec Dieu. Il y a une révélation qui vient et ils savent que, voilà, c'est le don de foi. Ou le don de foi peut se manifester au travers de quelqu'un de l'assemblée. Si par exemple quelqu'un est malade dans un hôpital et l'église ou le groupe de prière prie chez eux et tout d'un coup la personne dit « Ah, je sens que Dieu nous a exaucés. » Et c'est juste, il y a une paix qui envahit tout le monde et là de prier et l'autre main au téléphone et la personne en effet est guérie. Ça, c'est le don de foi qui se met en marche. Alléluia. Amen. Et l'erreur qu'on a eu faite dans l'église, c'est qu'on a dit aux gens « Tu es guéri » et la personne n'a pas été guérie. Voilà, on a promis la guérison, voilà, et je veux demander pardon si vous avez parmi ces gens-là qu'on a mis des diagnostics, qu'on a posé des choses, on n'a pas été bon avec vous quand vous étiez malade, on a eu des paroles dures, voilà, vous êtes moqué de foi ou vous collaborez pas, etc. Et moi, je refuse cela maintenant. On est là pour prier pour les malades, mais pas encore pour les accuser s'ils ne sont pas encore guéris pour des raisons qu'on ignore. Amen. Certains disent, mais comment savoir la différence entre la foi et tenter Dieu? Parce que la Bible dit, tu ne tenteras pas l'éternel ton Dieu. Et puis l'autre côté, il dit, sur la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Alors, c'est très simple, après mon expérience de vie, plus de 20 ans de vie chrétienne, simplement pour, si on tente Dieu, c'est si je lis jamais ma Bible, si je vais jamais aux réunions, peut-être qu'une fois par mois, si je n'obéis pas à la parole de Dieu,
si je ne marche pas de la sanctification et de la bonne, là, je tente Dieu. Si je dis, ben, j'ai à tout prix prié pour un malade ou un paralytique ou je vais changer de travail ou je vais partir en mission. Voilà. Mais si on est en communion avec Dieu, si on jeûne, si on prie, si on a une vie qui est agréable à Dieu, alors là, ce n'est pas tenter Dieu, mais si on voit que la foi est là, vous pouvez y aller et Dieu suivra. Amen. Alléluia. Jésus pouvait dire, le Père m'exauce toujours parce que je fais ce qui lui est agréable. Et la question, c'est est-ce que je fais, est-ce que vous faites ce qui est agréable au Père? Ça, c'est la bonne question. Parce que Dieu est tout-puissant. Et le problème n'est jamais du côté de Dieu, parce que nous sommes infidèles, il demeure fidèle, il ne peut pas se renier lui-même. Mais des fois, c'est nous. Amen. Il y a des manières, des fois, qu'il faut s'examiner. Pas nous accuser, non, mais on doit avancer. Voilà. Et dans l'Église, il y a eu deux écoles de pensée. Il y a eu ceux qui disent, voilà, on a prié pour des malades, et ils ne sont pas guéris. Ben, alors, on va dire maintenant, Dieu ne guérit plus. Puis, ils forment une théologie comme quoi il ne guérit plus. Comme ça, un mensonge. Et puis, il y a ceux qui disent, la Bible dit que Dieu guérit, mais nous, on va s'adapter à la Bible. Donc, on va commencer à jeûner et demander à Dieu, qu'est-ce qui empêche la guérison? Est-ce que je dois lire plus la Bible? Est-ce que je dois prier plus? Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que je dois parler à la maladie? Ou je dois parler à l'organe? Etc. Amen. Et j'aime cette deuxième catégorie, personne. Et j'en fais aussi partie pour rechercher pourquoi ça ne marche pas. Amen. Pourquoi il doit y avoir plus de guérison? Amen. Parce que je sais plus. Dieu est un de la multiplication. Amen. Croissez et multipliez. Amen. Au niveau aussi des guérisons, des conversions, je suis plus pour tout. Amen. Alléluia. Donc, après la prière pour la destinée, on a vu la foi, pas seulement élevée, mais existante. Et le troisième moyen, en guillemets, d'avoir un diagnostic, où c'est des moments. C'est des temps de Dieu. Il y a des temps de Dieu, il y a des onctions, il y a des moments clés, il y a la souveraineté de Dieu. Amen. J'explique. J'étais dans une église où je n'étais pas encore dans le ministère, mais selon toi, j'avais des paroles assez claires par la grâce de Dieu. Et tout d'un coup, je vais vers l'ancien d'une église où je faisais partie. Voilà. Et je lui ai dit, je sens que pendant... Il jouait la louange instrumentale après avoir passé au moins un bon moment de louange. Et j'ai dit, maintenant, je sens que le Seigneur me guérir. Il faudrait que je puisse apprécier les gens pour prier pour les malades. J'étais vers l'ancien. Et l'ancien, il est réfléchi. Il s'est gratté la tête. Il a attendu. Il a dit, non. Je vais m'asseoir. Quelques minutes après, je reviens. Et j'ai dit, mais là, je suis sûr. J'ai redemandé à Dieu. C'est maintenant. Je voudrais apposer les mains. Voilà. Dans cette fin de louange où la présence de Dieu, on sent, est forte. Voilà. Et malheureusement, cet ancien n'a pas fait. Et on n'a pas prié pour les malades. Et après les annonces, tout à la fin, quand les gens commencent à partir, il dit, voilà, maintenant, ce serait bien qu'on puisse prier pour les malades. Et ils ont prié pour les malades, il n'y a personne qui était guéri. Voilà. Ça, c'est le côté négatif. Et pourtant, on aurait été exaucé, beaucoup auraient été exaucés si on aurait écouté la voix de Dieu. Je prends une situation un peu semblable, mais où ça a marché. J'étais à l'époque dans l'église, pour ceux qui ont connu, un homme de Dieu qui m'a bouleversé, qui a impacté ma vie. C'est le pasteur Pierre Truchel de Grenoble, du Chandelier. Il était dans une réunion, on était à un séminaire prophétique, et il y avait un homme de Dieu qui était en train de prêcher. Et Pierre Truchel, il vient, il met la main sur l'épaule, il dit, enseignement très bon. Juste une petite parenthèse, on s'arrête juste deux minutes. Il a dit, j'ai senti le vent de l'esprit qui a touché mes reins. Et là, c'est le moment de prier pour les gens qui ont un mal de dos. Et pourtant, la personne enseignait sur le prophétique, enseignait sur les dons de l'esprit, mais pas sur la guérison. Voilà. Et il a dit, on fait une petite parenthèse. Après, le frère reprend l'enseignement. Il a dit que tous les problèmes d'os et de dos se lèvent maintenant. Alors, il y a beaucoup de monde qui sont levés. Et il a dit, je brise cela, j'appelle la guérison au nom de Jésus. Après, il a dit, voilà, amen, je sais que c'est bon, on va donner la parole au frère et continuer l'enseignement. À la fin de la réunion, il y avait au moins une dizaine de personnes qui n'avaient plus de douleur aux deux, les personnes étaient guéries. Voilà, vous voyez? Donc on peut aussi, même si, comme dit Cyril, s'il y a un programme qui est établi, pas casser le programme, mais juste le ralentir ou voir l'arrêter comme il l'a fait, j'ai bien aimé, juste pour intervenir comme Dieu voulait, et après on a continué l'enseignement, et l'enseignement était très bon, amen. Voilà,
Donc, c'est ça, il y a des onctions. Quand les onctions de Dieu sont là, il faut arrêter ce qu'on fait et on suit l'onction. Amen. Il peut y avoir des onctions prophétiques. On peut prophétiser une ou deux personnes, mais des fois, il y a une onction prophétique qui est là. Il peut y avoir à peu près 80 prophéties ou 100 prophéties dans une salle qui serait peut-être pour 200 ou 300 personnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un taux d'onction. On ne va pas dire toutes les fois, on va prier pour 100 personnes. Prophétiser, non, pas du tout. Mais il y a des fois des onctions prophétiques, comme des onctions de guérison, des onctions de délivrance. C'est le moment. Parce que c'est là, un maximum puisse être guéri. Amen. Et ça, c'est une sensibilité à l'esprit. Alléluia. Et là, beaucoup de monde est exaucé. Alléluia. Je dis pas que tout le monde peut être guéri, mais beaucoup plus peuvent être guéris à ce moment-là. Les moments clés, c'est les moments clés pour la personne qui reçoit la prière. Amen. Voilà. Je vais vous partager un exemple concret. Quand j'étais nouveau converti, à un moment donné, j'ai eu un accident au travail. Je travaillais à la poste. C'est pour ça que je suis timbré et affranchi. Non, ça n'est pas détendre. Voilà. Et à la cafétéria, je me suis renversé de l'eau chaude pour le thé. Voilà, et c'est renversé. Et je me suis brûlé le pied. Donc, j'avais qu'une petite pantoufle de gym. Donc, ça a traversé et ça m'a brûlé le pied. Et je savais que le soir, il y avait une réunion de prière. Et j'y étais. Et il y a eu le moment de la louange, j'étais là et j'avais mal. Hein, j'avais brûlé le pied et j'avais mal. Voilà. Et le Saint-Esprit me dit, tu vas demander la prière au pasteur. Voilà. Moi, d'habitude, quand je vais dans des réunions comme ça, il y a des personnes, soit les anciens ou d'autres frères et sœurs qui ont un badge et puis les responsables connaissent et qui demandent la prière. Alors moi, j'ai été, puis deux, trois de ces responsables sont venus ou personnes qui louaient, qui priaient pour les gens. Et j'ai dit non, exceptionnellement, je ne veux pas. Je veux le pasteur. Et j'étais devant le pasteur le principal et il a posé les mains et aussitôt, j'ai plus eu de douleur. Voilà. Et j'ai eu une guérison progressive. Voilà. Amen. Et je peux témoigner maintenant ce qui s'est passé. Eh ben, voilà. Et j'ai pas écouté ce que les autres disaient. J'ai été suivi l'instruction de Saint-Esprit que j'ai reçue et j'étais vers le pasteur. Ça veut pas dire qu'à l'autre moment, je vais pas aller recevoir la prière de Pierre, Jacques et Jean ou des anciens ou des diacres. J'ai été béni les autres fois. Amen. Mais là, cette fois, c'était un temps qui était particulier, un temps clé pour moi. Un temps clé pour moi. Amen. Et c'est pour ça que j'ai été exaucé. Amen. Pour moi qui priais, voilà. L'important de l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Les moments clés pour ma vie, c'est-à-dire que je me souviens, on devait aller dans une réunion quand on était avec des jeunes convertis. Et moi, je n'avais pas beaucoup d'années de conversion. Mais voilà. Et puis, on ne se trouvait pas la salle, on ne connaissait pas. On était des gens qui venaient du monde, on ne connaissait pas les endroits, les églises. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Eh oui, cette année-là, ça n'existait pas encore. Voilà. Il n'y avait pas de GPS, pas de Natel. Pour chercher la salle, on est dans un plan. Et puis, on ne trouvait pas. Puis, au même moment, on a passé un bon moment pour chercher la salle. Donc, la réunion arrivait à la fin. Et puis, on a dit, bon, on va rentrer. Puis, non, on va quand même aller. On va aller voir. Alors, on était allé voir. On rentre à la fin et puis celui qui prédit dit, ben voilà, on va bientôt conclure, mais avant de conclure, on va prier pour des gens qui ont un futur ministère. Voilà. Et nous, on est allés devant, regardez. Et puis tout d'un coup, il s'est passé quelque chose de spécial. Comme je vous dis, c'était un temps qui était mon temps pour moi. Voilà. Le Saint-Esprit m'a saisi et j'ai couru sur l'estrade et j'ai dit, Dieu veut appeler des futurs pasteur, mettez-vous au milieu. Et tout le monde était étonné. Bon, les personnes sont avancées. Et puis après, j'ai couru autour comme un chien qui garde le troupeau en prophétisant sur les gens. Voilà. Et si j'aurais pas été là-bas, eh ben, j'aurais pas pu faire ça. Et là, j'ai compris qu'il y avait une esquisse de mon ministère prophétique. Vous voyez, il y a quelque chose qui était là. C'est pas moi qui ai choisi. C'est quelque chose, voilà. Et tout le monde était étonné, c'est pour ça que personne ne m'a arrêté. Sinon, j'aurais dit, bon, on le connaît pas, celui-là. Voilà, mais on a embrassé le fruit, c'est pour ça. Voilà. Donc, c'est des moments clés pour nos vies. Des fois, des moments clés pour la vie de certaines personnes. J'étais dans une église
Et on avait fini de le prophétique, tout d'un coup, au même moment où j'allais rendre le micro, il n'y avait personne qui rentre dans la salle, je reprends le micro, et excusez-moi, le Seigneur te dit, etc., 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 et la personne était percutée. Amen. Alléluia. Et après, j'ai rendu le micro. Amen. Je suis comme soumis. Mais là, c'était une personne de plus, et je sentais que c'était juste. Pourquoi cette personne est entrée à ce moment-là? Parce que Dieu voulait lui parler. Amen. C'est notre soif de Dieu qui attire la bénédiction. Voilà. Pourquoi certains reçoivent des prophéties, d'autres pas? Mais c'est ta soif que tu as. Amen. C'est la soif de Dieu qui attire la main de Dieu. Alléluia. Et quand tu attires la main de Dieu, une certaine foi qui est là, et Dieu peut te parler, Dieu peut te guérir, Dieu peut agir, et plus. Amen. Et c'est intéressant de voir, en discutant avec des gens qui ont été à Bethel Church, chez Bill Johnson, voilà, voir ces fusions d'esprit qui vivent. Et c'est intéressant de voir qu'ils disaient, ils ne sont pas meilleurs qu'en France, pas meilleurs qu'en Suisse ou en Belgique, mais la seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils ont toujours soif de Dieu. Ils ont vu la nuée, ils ont vu certains miracles, ils ont vu certaines choses, mais ils ont soif encore de Dieu. Amen. Et c'est cette soif que Dieu honore. Amen. Alléluia. Glorieux. Pas l'esprit religieux, mais un cœur reconnaissant. Alléluia. Qu'ils attendent à Dieu. Donc, les onctions, les moments clés. Et puis, ce sera parfait si dans tout cela, il y aura aussi la souveraineté de Dieu. Amen. La souveraineté de Dieu, si Dieu fait comme il veut. Que ça nous va. Voilà. Donc, je vous partage aussi vécu dans les milieux évangéliques. Une nuit de prière, on a prié pour une personne, un monsieur qui était à l'hôpital, et pour sa guérison, on a prié presque toute la nuit, et finalement, cette personne est décédée. Amen. Voilà, malheureusement, voilà. Elle a pourtant prié, et c'est un mystère, et je ne sais pas pourquoi. Et c'est la souveraineté de Dieu. C'est qu'on ne comprend pas, mais c'est comme ça. Quand ma mère a eu le cancer, ma mère adoptive, moi j'ai été informé comme quoi Dieu guérissait, donc j'ai imposé les mains pendant plusieurs mois à ma mère, et Dieu ne l'a pas guérie. Elle est morte, voilà. Et après, il y a eu ce qu'on vous a raconté, en 3 mois, Dieu m'a relevé. Et après que Dieu m'a relevé, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Martin, j'ai permis que tu sois cassé par le décès de ta mère, et je t'ai restauré. Et maintenant, parce que tu as reçu cette guérison, je peux te montrer ce qu'il y a un peu dans le cœur de tes frères et sœurs, sans que tu t'enorgueillisses. Amen. Alors que les gens m'entendent prophétiser, ils n'ont pas ce parcours. Mais il n'y a aucun ministère de puissance ou qui perce qui n'a pas souffert. Amen. On ne cherche pas la souffrance, mais il y a une formation dans le secret. Parce que dans la souffrance, on ne peut rien faire et c'est Dieu qui fait. On voit l'exemple de Job. Amen. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Amen. Il y a quelque chose qui se passe dans la souffrance, un mystère. Il y a un pasteur qui a raconté cette histoire où c'était un mystère aussi pour son église. Ils ont prié pour un homme de 85 ans qui était malade, et ils ont prié pour une maman qui avait à peu près 28 ans, moins de 30 ans, et qui avait 2 enfants en bas âge. Elle avait un cancer, et ils ont prié aussi pour ce vieil homme de 80 ans, 85 ans, qui avait un cancer. Et au grand étonnement, le pasteur disait, quand il a prêché ça, c'est pas un secret, Dieu a guéri la personne âgée de 85 ans. Et la maman, qui avait 2 enfants en bas âge, elle est décédée. Voilà, ça c'est un mystère. Mais il ne faut pas s'arrêter ou ça n'a pas marché, il faut continuer. Amen. Et quelqu'un disait, il faut prier beaucoup pour pouvoir être exaucé plus. Amen. Alléluia. Et c'est une clé, à savoir que un serviteur de Dieu disait, en Afrique, il n'y a pas forcément plus de guérison qu'en Europe. Mais simplement, il y a plus de gens, on prie pour plus de gens. Alors automatiquement, comme on prie pour plus de gens en Afrique, automatiquement, il y aura plus de gens guéris. Voilà. Et imaginons qu'en France, on vient et puis il y a 3 personnes qui demandent la prière et qui sont malades, et puis on prie, puis les 3 ne sont pas guéris, et bien ça fait 0 guérison. Mais si on est en Afrique et puis on prie pour 100 personnes, 300 personnes, et bien là, on peut avoir 3, 4, 10 guérisons. Amen. Voilà.
C'est quelqu'un qui disait ça. C'est intéressant. C'est à réfléchir. Amen. À méditer. Voilà. La souveraineté de Dieu, on doit l'accepter. On n'a pas levé le poing contre Dieu parce que lui, il connaît. Il connaît tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'a rien qui lui est caché. Et c'est pour ça qu'on doit lui faire confiance. Mais Dieu nous appelle à plus de prières exaucées. Amen. Donc, quand on voit l'Église qui a besoin de plus, l'Église locale, groupe de prière, qui a besoin de plus, les chrétiens ont besoin d'être plus exaucés. Amen. C'est Charles Finet, quand il s'est converti, ce revivaliste, il était de la réunion de prière de l'Église où il s'est converti. Il a dit, si jamais j'ai un problème, je ne m'aiderai jamais vers vous. Quand je vous vois prier, vous nuyez Dieu avec vos prières. Non, il ne veut pas ça. Alors, je vous laisse. Moi, je vais vous démarrer quelque chose ailleurs, parce que là, non. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une ferveur à voir. Et puis, ce qui m'a aidé, c'est que ce sont les Africains qui m'ont appris à prier. Après, il y a eu les Brésiliens qui m'ont appris à prier. Et les Brésiliens, j'ai aussi vu la ferveur des Coréens aussi, qui ont un certain style. Mais ceux qui m'ont le plus impressionné, c'est les Arabes. Amen. Les anciens islamiques qui se convertissent, waouh, c'est vraiment des bombes au niveau de l'intercession. Alléluia, gloire à Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Mais entre la souveraineté de Dieu et les diagnostics qu'on peut poser, continuer à prier, on peut y aller. Et la souveraineté de Dieu nous fait aussi des cadeaux. Ça m'est arrivé deux fois où quelqu'un m'a téléphoné, c'est pas maintenant, hein, c'était il y a bien 20 ans, 15 ans en arrière. Il m'a dit, prie pour moi, Martin, j'ai un problème. Et j'ai dit, ok, je prierai après, ok, je te rappellerai. Et je pose le téléphone, et tout d'un coup, je pars ailleurs, et j'ai oublié de prier pour ce frère. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, ouais, merci, hein, tu as prié, t'as un bon prieur, mon problème s'est résolu. Et il dit, ouf, pardon, je vais t'avouer quelque chose, j'ai oublié. Et la personne était... Dieu avait agi, j'ai pas prié, mais Dieu a agi quand même, voilà, donc ça m'est arrivé deux fois dans ma vie, voilà, j'espère que ça ira pas une troisième fois, voilà, mais en tout cas, la chose, c'est que les personnes ont été bénies, sans que je prie, vous voyez, donc des fois, Dieu se permet d'agir sans qu'on aille prier, alléluia. Alors Seigneur, je vais te prier pour ceux qui sont déçus. Ils ont voulu prier soit pour rencontrer une épouse ou un époux, soit pour avoir un ministère ou qu'ils ont un problème et Dieu n'a pas encore répondu, Seigneur, et ils semblent comme muets. Et je prie, Seigneur, que leur cœur ne soit pas attristé, Seigneur, que tu puisses les guérir et les consoler et qu'ils puissent aussi apprendre à te connaître. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je te prie pour ceux qui ont arrêté de prier parce qu'il fallait prier plus longtemps. Il y a des fois des circonstances comme des conversions ou des certaines maladies, il faut prier plus longtemps à plusieurs et qu'ils puissent reprendre le combat parce que je crois que c'est possible encore de gagner avec toi, Seigneur. Alors, je te prie pour tous ceux qui ont arrêté pour certains sujets de prière ou prier pour certaines catégories de personnes qui puissent recommencer maintenant parce que tu vas agir, Seigneur. Tu agis. Tu agis. Au nom de Jésus. Amen. Il y avait un ancien cambrioleur qui s'est converti et lui, il cassait les vitrines avec une masse. Il prenait le marteau, il cassait les vitrines, puis il volait ce qu'il y avait. Hein. Voilà. Et il expliquait que le premier coup que tu tapes avec la masse, comme le dernier où la vitre te brise, tous les coups étaient importants. Ce n'est pas le dernier que la vitre se brise, parce qu'il y a quand même des vitres un peu sécurisées, donc il faut le taper longtemps, et ce n'est pas le premier coup. Amen. Et je crois que dans la prière, des fois, nous avons juste arrêté de prier trop tôt. C'était le point où Dieu aurait pu exaucer. Amen. Affaire à suivre. Seigneur, je te prie pour la foi, pour que nos frères et sœurs puissent vraiment se fortifier dans la foi, qu'ils puissent garder nos foies vivantes, même s'ils ne sont pas encore à plein temps de ministère ou s'ils sont à mi-temps. Seigneur, je prie qu'il puisse garder une foi vivante en lisant ta parole, en méditant ta parole, en écoutant des témoignages, en écoutant des messages, pour garder une foi vivante afin que si on a besoin d'eux dans le groupe de prière ou dans l'assemblée communauté connectée, eh bien, qu'il puisse avoir une foi existante et pouvoir être une réponse, être une flèche de délivrance pour leurs frères et sœurs, dans le nom de Jésus.
je demande cela. Merci Seigneur. Et puis je prie pour les frères et sœurs qui sont en ligne ou d'autres qui écouteront ce message, pour être sensibles à l'étonne d'onction qu'on a partagé, à l'étonne d'onction, onction de prophétique, onction de guérison, onction de délivrance, onction de miracle et autres, et qui puissent être sensibles et rentrer dans le mouvement de l'esprit pour que beaucoup puissent recevoir leur miracle ou leur guérison ou leur bénédiction. Je prie également que pour les personnes qui puissent découvrir leur moment clé, qui puissent se trouver au bon endroit, au bon moment, où Dieu puisse les toucher, les bénir et les relever d'une manière particulière. Et je te prie que chacun et chacune puisse comprendre de plus en plus la souveraineté de Dieu, et cela fait un équilibre avec ce qu'on a parlé ce soir. Je te demande cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Maintenant, on va passer à un temps prophétique. On peut. D'accord. Un temps libre, hein, voilà. C'est... D'accord. Tu gères comme tu veux le temps. Tu me dis quand tu penses que ce que tu as libéré, c'est bon pour toi. Voilà, c'est toi qui gères. D'accord. Amen. C'est moi qui gère et c'est toi qui digère. Voilà. Alors, je vais regarder les gens. J'avais vu des personnes là qui sont. Tout serait sympathique, voilà. Une personne qui s'appelle Marina, c'est une demoiselle avec des beaux cheveux, comme ça. Voilà, j'ai une parole pour vous. Alors, je ne vous connais pas, Marina. Voilà. Premièrement, Dieu vous aime, et pour vous, le Seigneur te dit, ma main est sur toi, ma fille, je t'aime, je te connais. Ce que je désire, te donner encore plus de liberté dans la louange. Ce que je désire, c'est que tu reçoives encore plus mon amour. Tu es quelqu'un qui est déterminé, tu es quelqu'un qui te bat pour le royaume de Dieu, tu es quelqu'un qui hait le mal et qui aime le bien. Le Seigneur dit, cache-toi en moi, je suis ton héritage, je suis ton héritage, je t'ai choisi. Je fais de toi un diamant poli que je suis en train de façonner les facettes. Et à un moment donné, tu rayonneras de ma nature, dit le Seigneur. Alors n'aie pas peur, continue à m'adorer, continue à me louer, n'aie pas peur. Je marche devant toi, je t'entoure par mon amour, ne crains pas. Je t'aime, je te connais. Tu vas avancer et à un moment donné, tu vas comprendre le mécanisme et je sentais que vous allez apporter à un moment donné quelques pensées prophétiques. Voilà. Je parlais qu'il y avait un ministère de prophète, mais qu'il y avait comme ces dons de prophétie voilà, se réveillaient en vous et vous pouvez commencer à apporter des paroles pour exhorter, édifier, consoler. Et je sentais en même temps qu'il y avait un amour particulier de Dieu. Vous êtes sa fille bien-aimée et je sentais vraiment qu'il y avait une faveur de Dieu. Voilà, vous plaisez à Dieu, voilà, il y a quelque chose en vous, voilà, pas forcément ce que vous faites, mais qui est en vous, qui plaît à Dieu. Et cela permet d'avoir une certaine faveur de Dieu. Et le Seigneur dit, j'ai encore des bénédictions pour 2023, je n'ai pas fini avec toi, ne crains pas. Fortifie-toi et prends courage, n'aie crainte, je marche devant toi. Je te donnerai ce que ton cœur désire, j'ouvrirai les portes, je briserai les verrous des reins, je t'appelle par ton nom, Marina, et je te dis, tu es à moi, ma main est sur toi, tu es marquée par Dieu. Sache que tu es marqué et tu es appelé à être un témoin puissant et vivant au milieu de mon Église et même en dehors. Amen. On vous soumet ces paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, je suis obligé de faire un peu longtemps parce que je ne vois pas les gens. Je suis obligé de. C'est comme un album de photos. Je ne vois que 4 personnes à la fois. Je suis sur ma tablette, pas sur l'ordinateur. Voilà. On va aller chez. Voilà. Patricia est Rich. Voilà. Il y a un monsieur avec une barbe et il y a une dame avec des lunettes et un pull rouge. Voilà. On va aller vers le monsieur d'abord qui est couché. Voilà. Parfait. Voilà, mon frère, l'Esprit de Dieu est sur vous. Le Seigneur dit, marche dans ma paix, je veux faire de toi un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Ne crains pas, ne traîne pas des regards inquiets. Va de l'avant, ma main est sur toi. Je fais de toi un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Tu as un large feuillage spirituel et beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles viendront à tes côtés parce que tu es un homme de paix. Tu es un homme qui apaise. Tu es un homme de douceur, un homme de prière, un homme qui va rentrer dans la gloire avec plein d'œuvres qui le suivront.
entrer dans la gloire, rassasié le jour comme Abraham. Ma main est sur toi, mais ce n'est pas encore maintenant le temps de rentrer dans ta maison. J'ai encore besoin de toi. J'ai encore besoin que tu pries pour Israël. J'ai besoin que tu intercèdes encore pour Israël, que tu intercèdes pour les nouveaux ministères que je lève en France et que tu intercèdes pour le salut de plusieurs. Te dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Et puis pour la dame à côté qui est en rouge et les lunettes et magnifique chevelure. Voilà. Le Seigneur dit, ne crains pas, ne regarde pas au passé, sauf pour voir comment j'ai agi dans le passé, pour que je puisse prendre des décisions dans le présent et dans le futur. Ne regarde pas au passé, sauf pour voir que j'ai agi dans le passé, où tu as été béni, relevé, secouru, pour prendre des décisions dans le présent et dans le futur. N'aie pas peur, va de l'avant. Le Seigneur dit, je vais réajuster certaines choses dans ton être spirituel. Le Seigneur dit, va de l'avant, je ne mets aucune charge sur tes épaules, tu vas marcher dans ta destinée. Je t'aime, je te connais. Continue à garder ton cœur plus que tout, car de lui vient les sources de la vie. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ton cœur désir. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, maintenant. On va aller vers le monsieur qui a chanté, Marc-Olivier. Alléluia. Voilà, pour Marc-Olivier. Amen. Marc-Olivier, le Seigneur te dit, ma main est sur toi, je t'ai choisi. Je t'élève dans le sens face à tes ennemis. Tu es élevé, tu es sur le rocher des siècles, tu es entouré de mon amour, tu es entouré de feu. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées et toute la terre est remplie de sa gloire. La sainteté est ta maison. Reste caché en moi. Si tu restes caché en moi, l'ennemi ne te trouvera pas. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut demeure en sécurité. Je t'aime, je te connais. J'ai envers toi des élans de joie et d'allégresse. L'Éternel Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Je fais de toi ma plus grande joie. L'Éternel ne craint pas. Je t'ai appelé par ton chant de pouvoir ouvrir le ciel et bénir. Continue comme ça. Et plus tard, quand tu chanteras, il y a des gens qui vont être guéris de migraines ou de dépression. Amen. Alléluia. Waouh. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Soyez bénis. Alléluia. Voilà. Il y a Marie qui est là. Super. Marie, la femme de Jean-Marc. On l'a bénie. Alléluia. On va. Ah, je suis là, Jean-Marc. C'est bien. On va commencer par Marie. Hein. Alléluia. Alors Marie, je ne sais pas si tu arrives à voir, là. J'ai un objet dans la main. En tout cas, en Suisse, on appelle ça un cutter. C'est pour couper la moquette. Voilà. Voilà, ça coupe très fort. Voilà. Mais au bout d'un moment que ça ne coupe plus, on est obligé de casser la pointe et puis après, il y a un autre qui vient. Voilà. Et le Seigneur dit, spirituellement, tu es comme ce couteau, tu es comme un cutter. Tu es très précise dans les paroles prophétiques. Mais quand on travaille avec un outil, à un moment donné, il perd son tranchant. Et le Seigneur te dit, je vais te donner plus de sensibilité afin que tu perdes ton tranchant, tu puisses te retirer et pouvoir te reconnecter à moi afin que je puisse t'utiliser à nouveau. N'aie pas peur, je t'aime. Ce couteau est à la fois fort et délicat, fragile, et il ne coupe pas longtemps pour que tu viennes plus souvent dans ma présence parce que je t'aime, parce que je te désire, parce que je te connais, parce que j'ai encore pour toi des paroles de vie à proclamer au travers de toi. Sur ceux que tu connais comme ceux que tu ne connais pas. Amen. Voilà. Alléluia. Voilà. Alors, on va continuer. Voilà. Il y a même la personne qu'on appelle Séti du matin qui est là. Salut Séti. Voilà. Bon, Séti, je voyais ton prénom, S-E-T-I, voilà, et c'était le S qui m'avait attiré, comme s'il était souligné, ou comme s'il était souligné en feu, en lettre de feu, le S, voilà. Et je sentais que S de service, le Seigneur va faire en dire dans le service, service déjà au temple, service devant l'Éternel, dans ton lieu secret. C'est un service que tu fais pour, où tu amènes ce que tu as sur le cœur, il y a un service pour les autres, de la présence de Dieu, de l'intercession, dans la prière. Alors, il y a ce service qui doit continuer,
mais également le service aussi qui va venir dans le futur, servir aussi les autres. Il y a aussi, tu aimes servir les gens de ta famille, mais le Seigneur va aussi permettre qu'occasionnellement, tu puisses aussi servir d'autres personnes, et aussi d'une manière pratique, mais aussi surtout par les conseils et par les prières et par les témoignages. Voilà. Il y avait le S de service. Et puis, il y avait le S de solitude. Des moments où Dieu te permettra que tu sois dans des temps de solitude, où tu sois soit tout seul avec ton mari ou toute seule, voilà, devant sa face, parce qu'il veut te parler, parce qu'il veut te rafraîchir, parce qu'il veut te renouveler, parce qu'il veut étendre tes pensées pour pouvoir te donner plus. Voilà, c'est comme si le réservoir était comme, l'outre était comme bloqué à certains niveaux et il voulait que tu deviennes une outre flexible. Voilà, afin que le vin nouveau d'être mis. Amen. Que tu sois une outre, pas que tu sois outré, mais que tu puisses être une outre flexible pour recevoir le vin nouveau. Voilà, je te soumets cette parole. Amen. Tu ne veux pas plus loin parce que je te connais un peu. Amen. Sois béni. Voilà, on va continuer. Alors, on va voir. Une jeune femme qui a mis sa photo, Charlotte Félix Faure. Voilà, c'est elle montant. Elle est là, il y a une parole pour elle maintenant. Hein? Pour Charlotte Félix Faure, le Seigneur te dit, ma main est sur toi, je te connais, je t'ai choisi, j'ai un regard sur toi favorable dès ta naissance. Tu n'as pas forcément toujours été comprise des hommes, mais moi je te comprends. Tu as recherché ma face parce que tu as découvert que l'Éternel était ta protection, ta forteresse. Et depuis, tu m'as fait confiance et moi, j'ai honoré cette confiance et je te conduis. Tu rentreras dans ta destinée. 2023, c'est une année où tu vas te positionner pour préparer l'année de 2024. C'est un temps de positionnement, de purification, de sainteté et de sanctification. C'est un temps sérieux, c'est un temps où je te marque, c'est un temps où tu vas te positionner face au monde spirituel. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, il y a une personne qui a aussi laissé sa photo, un certain Nicolas Charron. Voilà. Il est là. Voilà. Pour Nicolas Charron, je voyais une commode, qui est une table de nuit, comme il y a à côté des lits. Une table de nuit, il y a seulement deux tiroirs. Voilà. Il y a un tiroir qu'on pouvait ouvrir facilement et le tiroir du dessous, il était bloqué. Il fallait vraiment prendre beaucoup de force pour, voilà. Le premier tiroir qui s'ouvrait, c'était le tiroir de vos pensées. Et le Seigneur voulait faire de l'ordre pour mettre qu'il ait davantage de ses pensées à lui. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir le deuxième tiroir où il y a les pensées de Dieu. Et il y aura au début un mélange, mais à un moment donné, il y aura plus de quantité, il y aura plus des pensées qui viennent d'en haut, des aspirations qui viennent d'en haut, que plutôt des choses qui sont en vous, qui ne viennent pas d'en haut. Voilà, je vous soumets cela. Soyez bénis. Amen. L'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. Alléluia. Ensuite, il y a une personne qui s'appelle Ning. Voilà. Voilà. En tout cas, que le Seigneur bénisse Ning dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que tu puisses continuer et que cette année 2023 pour Ning, ça soit une année où le Seigneur va approfondir la relation avec vous. Le Seigneur va vous donner des possibilités de pouvoir le servir. Le Seigneur va donner aussi des enseignements, des onctions nouvelles que vous avez besoin parce que vous savez que votre destinée est de le servir. Et le Seigneur dit, je vais encore te faire du bien, je vais encore te garder. Mais toi, garde ton cœur plus que tout, garde-toi du mal, reste caché en moi, continue à avancer et tu auras ma faveur. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit pour Ning. Alléluia. On va continuer, parce que je sens qu'il y a encore de l'onction. Alléluia. Et Annie. Et voilà, voilà. Voilà, on va aller vers Nasser. Voilà, Nasser. Voilà. Voilà. Il y a deux personnes, il y a une dame et un monsieur. Voilà, parfait. Alors, on va commencer par le monsieur, voilà. Ce n'est pas une question de la politesse, c'est simplement c'est l'onction. Amen, voilà. Sinon, sans onction, c'est normal, on pourrait commencer par la dame. Mais voilà, la vie, c'est pas là. Alors, pour vous, mon frère, voilà, je vous ai vu comme un berger, voilà.
mais un berger, mais qui ne garde pas des troupeaux, mais qui garde plutôt des pâturages, des territoires, où il est un sentinelle. Il y a comme un appel de sentinelle pour soit une œuvre chrétienne, soit un mouvement chrétien, ou soit une église locale. Vous avez un rôle déjà de sentinelle, c'est un aspect de votre rôle d'intercesseur, d'écoute, aussi pour pouvoir un peu avertir, pouvoir orienter avec l'accord des responsables. C'était ça. Et également, il y a aussi l'écoute. Il y a comme l'écoute. L'écoute, vous aimez aussi écouter les gens et vous aimez aussi écouter Dieu. Et il y avait aussi ça que le Seigneur allait développer durant 2023. Voilà. Et puis pour la dame qui est à côté, c'est aussi un temps de... Vous allez percer. Il y a quelque chose qui va passer. Il y a des choses que les gens ont prié pour vous. Vous avez prié et puis vous allez recevoir. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a peut-être un combat, ou il y a peut-être un désir, ou il y a peut-être quelque chose que vous savez que Dieu veut vous donner. Et c'est comme si vous étiez tout prêt, comme s'il n'y avait plus que quelques mètres à percer. Et après, vous obtenez la bénédiction. Voilà, percez et vous verrez, persévérez. Amen. Soyez bénis, tous les deux. Alléluia. Ah, il y a même une Sylvie de Belgique. Amen. On salue la Belgique. Alléluia. Amen. Voilà. Pour celui de Belgique, voilà. Le Seigneur dit, le temps est court, viens dans ma présence. Je sais que tu désires te consacrer à moi et à mon œuvre, mais n'aie pas peur. Moi, je suis celui qui transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Je veux mettre une stabilité, je veux rallumer un nouveau zèle. Tu as déjà un zèle pour moi, mais je veux le multiplier. C'est comme un turbo qu'on mettrait à une voiture pour qu'il aille plus vite. Et le Seigneur va vous enflammer. Il y a un zèle pour la maison de Dieu qui sera encore plus fort. Il y a un désir de servir et de l'adorer qui est là. Et le Seigneur dit, je vous garderai, voire même qu'il met deux anges derrière vous pour de protection. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur de bénir Sylvie, merci de continuer ton œuvre dans le nom de Jésus. Et, alléluia. Et il y aura plus de liberté dans la louange et l'adoration. Que ce soit la louange et l'adoration personnelle chez vous, dans le lieu secret, mais également si vous faites partie d'une communauté ou d'une famille d'église, il y aura possibilité de pouvoir rentrer dans de nouvelles dimensions de louange. Pas que vous ne le faites pas, mais vous le faites déjà, mais il y aura une plus grande visitation de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Ensuite, il y a une dame qui s'appelle Nicolosi. Oui, voilà. Voilà. Amen, soyez bénis. Voilà. Alors, pour vous, je voyais un barrage. Vous savez, un barrage, pas des choses qui entravent une route, mais un barrage qui tient l'eau. Vous savez, les barrages qui retiennent l'eau, qui est prévu pour accueillir de l'eau, pour faire marcher des turbines ou des choses comme ça. Voilà. Et vous êtes appelé, votre cœur est comme un barrage. Il y a un barrage où, à un moment donné, il y aura assez d'eau qui sera là et vous pourrez donner des prières, vous demander à Dieu des prières plus grandes. Voilà, des demandes un peu plus folles. Et vous allez être souvent exaucé. Voilà. Amen. Et c'était ça. Mais il fallait laisser l'eau remplir ce barrage. C'est temps d'onction. C'est temps de... Voilà, quand vous sentez remplir de l'esprit, eh bien, vous pouvez ainsi aller. Amen. Je vous soumets cela. Soyez bénis. Voilà. Ensuite, il y a une jeune femme qui vient de se connaître, une personne qui s'appelle Sephora. Voilà, Sephora. Voilà. Une personne qui s'appelle Sephora qui est là. Une jeune femme, voilà, qui a un gros pull et qui a un habit rouge, une manche rouge. Voilà, c'est vous, pas de problème. Voilà. Alors, Sephora, votre cœur est comme une guitare. Votre cœur est un instrument de musique qui est harmonieux, qui est magnifique, comme une guitare qui a un beau bois, qui est bien accordée. Mais simplement, cette guitare, elle se désaccorde rapidement. Il suffit d'un problème émotionnel, il suffit d'une contrariété. Et après, vous êtes comme désaccordé. Et c'est prévu parce que Dieu demande que vous puissiez aller vers lui. Et c'est lui qui va vous accorder. Et si vous acceptez cela, c'est une marque d'humilité, mais vous serez toujours accordé pour pouvoir jouer votre cœur et jouer les mélodies du Seigneur. Et je sens qu'il y a une affection pour vous. Le Seigneur vous libère de votre passé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Le Seigneur vous donne une nouvelle paix, y compris la nuit, dans le sommeil. Il y a comme... Oui, il y a comme une grâce particulière.
Voilà. Et vous pouvez vivre le psaume 3, verset 6. Je me couche et je m'endors, car l'Éternel est mon soutien ou ma force. C'est pour les traductions. Et bien, c'est vraiment qu'il y avait aussi un désir. Le Seigneur aimerait que vous puissiez aussi, plus tard, pas maintenant, je voyais que vous puissiez aussi avoir un ministère ou un service envers d'autres femmes. Voilà, comme pour les aider, il y a quelque chose, il y a un niveau de prière, il y a un niveau de conseil et de témoignage. Et le Seigneur vous appelle ça. Vous ne serez pas tout seul, il y a aussi d'autres personnes avec vous, mais vous voyez avec d'autres femmes. Voilà, qui ont à peu près votre âge, ou plus jeune, ou un peu plus âgé que vous. Voilà, que Dieu vous bénisse, je vous soumets cette parole. Alléluia, amen. Shalom, gloire à Dieu. Alors, on va aller plus loin, puisque l'onction est encore là. Il y a un jeune homme qui s'appelle Cédric, qui est devant une horloge. Amen. Bonjour. Bonjour Cédric, voilà. Ce qui a attiré vos regards vers vous, c'est parce que vous êtes devant une horloge. Et le Seigneur va mettre, vous allez rentrer à l'heure de Dieu. Voilà. Et il va régler votre cœur pour que les choses importantes pour Dieu deviennent importantes pour vous. Amen. Il y a comme un réglage qui va se faire, mais simplement, vous devez simplement le vouloir et le croire, et lui le fera. Amen. Chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, chaque fois que vous priez, chaque fois que vous êtes avec d'autres frères et sœurs, l'onction de Dieu est là et il va faire ce réglage. Et vous êtes étonné, à un moment donné, il y a des gens vont dire, par exemple, des choses, et puis vous dites non, c'est pas juste parce que, même dans l'église, c'est pas juste parce que Dieu n'est pas comme ça. Vous voyez, il y a des réactions qui vont venir comme ça. Pas que vous allez faire la morale à l'autre, mais il y a des choses, c'est l'esprit qui vous anime. Voilà. Et c'est comme un réglage des choses. Voilà. Amen. Je vous soumets. Et également, il y a un amour particulier. Voilà. Comme si le Seigneur vous disait, mon fils bien-aimé, auquel j'ai mis toute mon affection, ne crains pas. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de gloire que j'ai réservée à chacun de mes enfants qui ont été mon avènement. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Il y a une personne qui s'appelle Mimi. Voilà, c'est une dame qui a les cheveux noirs. Une demoiselle qui a les cheveux noirs. Voilà. Voilà. Je voyais pour vous, pour 2023, 2024, 2025, que c'est un temps où Dieu va travailler dans votre vie pour pouvoir vivre un réveil personnel. Voilà. Pas dire que vous allez amener le réveil de la région, mais pour vous, personnellement, il y a comme un réveil. Vous allez prier plus que vous n'avez jamais prié. Vous allez lire la Bible plus, vous allez vous sanctifier encore plus. Voilà, il y aura comme un réveil, le but de Dieu, même si ce n'est pas tout de suite. Ça peut venir plus tôt, si vous collaborez. Mais ça peut faire sur la durée de 3 ans, je vois, si vous... voilà. Mais si ça peut même être plus court. Si jamais, je sentais qu'il y avait, je voyais le R de réveil, vraiment un réveil personnel qui va vous surprendre, vous allez étonner comme vous allez dévorer la Bible, que vous allez prier, passer du temps de la louange, écouter des enseignements et vous allez aussi témoigner autour de vous. Amen. Je sentais qu'il y avait un appel pour vous personnellement à rentrer dans un réveil personnel. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas Dieu maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne priez pas, je suis sûr que vous le faites déjà, mais c'est comme quelque chose en plus. Ce n'est pas une loi, mais il y a quelque chose qui va nous pousser. Amen. Alléluia. Maintenant, Angéline Guillemot, voilà, bonjour, voilà, c'est la maman de la petite fille qu'on a vue tout à l'heure, amen, voilà, elle est là, votre petite fille, si elle est là, je peux prophétiser sur elle, elle dort, surtout pas la réveiller, mais si jamais, ok, tant pis, pas de problème, alors si j'ai quelque chose, vous le direz de la part du Seigneur, amen, voilà, alléluia, on va commencer par vous, amen. Seigneur, merci pour Angéline, je te demande de la bénir, merci de continuer ton œuvre, merci de la renouveler dans le nom de Jésus. Le Seigneur te dit, ne crains pas, je t'aime, je suis avec toi, je te connais, tu es à moi pour l'éternité. J'ai fait alliance avec toi, alors donne-moi la main, n'aie pas peur, va de l'avant. La direction que je t'appelle n'est pas forcément la direction que les religieux veulent, mais je veux ta liberté, je veux ton bien, je veux que tu puisses rentrer dans la destinée que j'ai prévue pour toi, alors ne crains pas. De même que tu t'inquiètes ou tu souhaites des bonnes choses pour ta fille, je fais la même chose pour toi, parce que tu es unique à mes yeux et tu as de la valeur. Tu es une femme de valeur, une perle de valeur. Et le Seigneur vous invite à relire Proverbe 31, la femme vertueuse. Amen. Il y a certains éléments qui vont vous parler. Alléluia. Amen.
Et il y avait également une dimension d'un le Seigneur va vous faire rentrer si vous le voulez, il ne vous force pas, mais commencez à avoir des rêves prophétiques. Voilà, des rêves prophétiques. Voilà. Mais je sentais vraiment que ce n'est pas une obligation. C'est vous qui vous priez avec Dieu si vous voulez ou pas, ou quand vous le voyez, après je n'ai pas vous des accueils personnels avec lui. Je sentais, voilà, il y avait comme une invitation, voilà le mot. Et si vous rentrez là-dedans, eh ben, le Seigneur suivra, mais il ne vous impose pas. Voilà. Amen. Mm-hmm. Et puis votre fille, je sentais qu'il y avait le mot équilibre. Voilà. Le Seigneur voulait donner un équilibre à votre fille. Voilà. À la fois, elle peut vivre sa vie d'enfant, mais également, elle est marquée par Dieu. Elle a une destinée. Et si le Seigneur n'est pas revenu, je la voyais, elle, épouser un serviteur de Dieu. Voilà, dans le futur. Voilà. Amen. Je vous soumets tout ça. Mais en tout cas, comme je dis aux parents, qui allaient penser, prophétiques, laissez les enfants vivre, priez, n'arrêtez pas de prier pour vos enfants, mais laissez-les vivre leur vie d'enfant, leur vie d'adolescente, voilà, dans le sens, voilà, école, etc. Mais continuez à prier. C'est ce que j'ai fait pour mon fils et il s'est fait baptiser en septembre l'année passée. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. On va continuer. Ensuite, nous avons une dame, une demoiselle asiatique. Voir si j'arrive à trouver le. Il s'appelle Goyi. Voilà, Goyi. Elle a les écouteurs blancs, elle a les cheveux noirs, elle a un pull orange. Voilà. C'est vous. Alléluia. Vous avez les mêmes yeux que moi. Saint, l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de ma gloire. Je t'aime, je t'appelle à plonger tes regards dans les profondeurs de ma parole, parce que je veux te parler au travers de ma parole. Tu as posé des questions à Dieu et je vais y répondre au travers de ma parole. Quand tu lis une lecture quotidienne, continue de la Bible, de Genèse à Apocalypse, eh ben, je vais te parler. À tout moment, d'un coup, ça va répondre à certaines des questions que tu as priées. Le Seigneur dit, pas toutes les réponses viendront au travers de ce que tu lis, mais beaucoup viendront au travers de ta lecture quotidienne. Continue à lire la parole. Et d'autres viendront par d'autres moyens. Je t'aime, je te connais. Et même quand tu écoutes certaines prédications, que ce soit au présentiel ou sur Internet, Dieu aussi allait répondre à certaines questions. Aussi par ce moyen-là. Et aussi d'autres, parce que Dieu est illimité. Le Seigneur dit, ne me limite pas, ma fille, je suis illimité. Je t'aime, je te connais. Va de l'avant. Je suis fier de toi. Va de l'avant. Tu as grandi. Les autres, peut-être, ont un regard humain sur toi, mais moi, j'ai un regard divin. Et tu as grandi spirituellement. Tu es devenu solide. Tu as une foi. Va de l'avant, mais marche avec sagesse et prudence. Amen. Je vous soumets ces paroles. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous dérange. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller vers... Il y a un frère africain qui est connecté aussi avec nous. Je vois un dénommé Didier. Et puis, il y a un nom africain qui n'est pas facile à prononcer, que je ne dirai pas. Voilà, mais mon Didier. Voilà, pour vous, mon frère, soyez bénis. Alléluia. Pour vous, Didier, le temps est venu de continuer à avancer. Le Seigneur dit, je mets deux chemins devant toi. Les deux sont bons. Il y a deux chemins devant toi, les deux sont bons. Les deux, je serai avec toi. Mais tu dois choisir, parce qu'il y a des paysages que tu ne verras pas sur le chemin de gauche et celui de droite. Mais les deux conduisent au même endroit. Il y a des détours, des rencontres que j'ai prévues pour toi, et aussi des difficultés, des oppositions qui sont différentes. Mais il y a deux chemins devant toi. Quel que soit ce chemin que tu prends, je serai avec toi, je t'accompagnerai. Mais sois décidé. Et une fois que tu es sur un chemin, ne va pas en arrière. Amen. Voilà. Vous soumettez ces paroles. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Non, non. On va prier pour un homme qui s'appelle Richard, puis il y a un G. Pas comme gag, mais un G. Voilà, Richard, il est en bleu. Voilà, parfait. Seigneur, merci pour Richard, je te demande de le bénir dans le nom de Jésus. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Mm-hmm.
Alors pour vous, Richard, je sentais que c'est un temps où, comme une voiture a besoin, quand elle a fait des kilomètres, elle a besoin d'aller au garage, pas pour qu'on la détruise, mais qu'on change des pièces. Et puis je sentais spirituellement, c'est un peu ça. Vous avez marché avec Dieu de nombreuses fois, vous avez aussi pris des coups, vous avez été incompris, on vous a fermé les portes que vous avez dû ouvrir aussi. Et vous avez un temps où c'est un temps où le Seigneur va vous toucher au travers de la parole, au travers de la prière d'autres et vos propres prières, où le Seigneur va restaurer. Mais c'est un temps qui est court, dans le sens que c'est peut-être les janvier, février, mars. Mais après, à partir d'avril, vous n'aurez plus besoin de cette restauration. Mais c'est comme un temps de repos. Pas où vous êtes totalement arrêté, mais c'est un temps où vous reprenez des forces. Un peu comme après une opération, c'est un temps de convalescence. Voilà, je me cherchais. Convalescence, c'est un temps de convalescence. Voilà. Pour pouvoir après reprendre le combat et aller plus loin avec le Seigneur que vous aimez tant. Je vous soumets ces paroles. Amen. Soyez bénis. Et plus que trois personnes, dans le sens que je sens l'onction quand elle commence à partir légèrement, donc il y a encore pour trois personnes. Donc on va faire Virgile et Valérie. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Alors on va commencer par Valérie. Voilà. Valérie, j'ai vu ton prénom avec un V qui était en or. Le mot Valérie, après, était en blanc, comme c'est marqué sur l'écran, mais la première lettre était en V. Voilà. Pourquoi ? Parce que Valérie, vous êtes appelée à la victoire. Vous êtes appelée à vaincre l'ennemi. Vous êtes appelée à vaincre la chair. Vous êtes appelée à vaincre les difficultés. Dieu veut faire de vous une femme vainqueur. Mais une femme, parce qu'elle a fait des combats, elle peut pas seulement amener la théorie aux autres, mais en pratique, un témoignage puissant. Vous êtes un témoin puissant entre la main de Dieu. Vous avez la faveur de Dieu. Et le Seigneur va vous faire entrer dans une nouvelle dimension de prière. Et une prière pour les nations. Qui va commencer. Amen. Voilà, je vous soumets simplement ça. Amen. Et puis pour Virgile, elle est aussi un V. Hein. Alors c'est aussi le V qu'on honore, mais pas le même mot. Virgile, c'est le mot vague. Vous savez, les vagues, comme il y a l'océan Atlantique, V de vague. Voilà, le Seigneur va commencer à vous tester ou vous former pour entendre les vagues du Saint-Esprit. Il y a des moments, il y aura pas de présence de Dieu, vous allez ressentir. Il y a des moments où il y aura peu de présence de Dieu, vous allez ressentir. Et des moments où il y aura plus. Et c'est comme si vous devez être sensible à ces vagues et puis pouvoir justement pouvoir encourager des responsables ou si vous êtes vous-même responsable à dire ben maintenant il y a la vague de Dieu, maintenant vous pouvez prier ou voilà ou prophétiser ou etc. Ou maintenant c'est il y a une faible présence de Dieu mais quand même présence de Dieu est là donc on peut quand même faire certaines choses. Amen. Et puis des fois dire non il y a rien du tout pour l'instant, il y a aucune présence de Dieu. Et c'est comme si il va vous apprendre à surfer sur ces vagues. Amen. Voilà. Amen. Et bien, la dernière personne, ben, c'est Cyril. Amen. Que je respecte, que j'apprécie beaucoup et que j'apprends à découvrir. Alléluia. Alors, Cyril, je t'ai vu avec 20 euros. Tu avais 20 euros dans la main et tu déchirais le billet en deux. Et tu le donnais à quelqu'un et tu gardais l'autre moitié. Voilà. Et spirituellement, ça veut dire que, au point de vue collaboration de ministère, il faut que ça joue comme on peut mettre ça dans le domaine physique, avoir du billet, puis que les gens se rencontrent, et puis c'est vraiment la personne qui a le billet qui peut te rencontrer, ils mettent les billets ensemble et ça joue. Et spirituellement, c'est la même chose. Tu as fait comme un accord avec Dieu. Ou c'est une personne qui sort dans le cadre, pas rien à voir avec la personne ou l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, mais c'est avec certains critères que tu as, qui est particulier, pour les gens qui collaborent avec toi, que ce soit courtement, longuement, ou plus, voilà. Et quand ça joue comme ce billet, eh ben, tu peux dire OK. Et là, tu peux accorder ta confiance, là, tu peux partager des visions. Voilà. Et pour t'éviter d'avoir la partager des visions à des gens qui ne veulent pas rentrer. Mais c'est vraiment des personnes, comme tu dis, à court terme, qui peuvent venir avec toi, ou à moyen terme, ou à long terme. Et c'est comme s'ils avaient aussi l'autre billet que toi, tu as prévu et tu sentais que ça collait. Tu sentais dans ton esprit et puis avec Dieu que ça touchait. Voilà. C'est les personnes qui ne vont pas partir après deux jours ou te faire un coup tordu. Voilà.
Seigneur, ben, je scelle ces paroles par le sang de Jésus. Et s'il y a un mot qui n'est pas de toi, ben, tu l'effaces dans le nom de Jésus. Et merci, Seigneur, pour cette communauté, pour ces cœurs qui ont reçu ta parole. Et je les bénis tous, Seigneur. Et merci, Seigneur, de continuer d'agir dans leur vie, Seigneur. Et que le Saint-Esprit vous dérange. Amen. Et je rends la parole à Cyril. Soyez bénis. Amen, amen. Merci, Seigneur, pour tout ce qui a été libéré, voilà. Et même les choses où vous ne saisissez peut-être pas encore aussi, des fois, celui qui parle en esprit, des fois, il parle à l'esprit. Et même si la chair, elle ne saisit pas tout, le programme, le plan, les directions, ben, laissez l'onction aussi, laissez Dieu faire. Parce qu'il y a des choses, des fois, j'ai dit à des personnes, ça ne leur parlait pas sur le moment, mais 2 ou 3 ans après, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, ah oui, tout ce que tu as dit, finalement, il y a des choses comme ça qui se sont mises en place, il y a des choses qui se sont passées. Donc, simplement, voilà. Saisissez ce que vous êtes convaincu aujourd'hui et laissez croître ce qui a besoin de croître et voilà que tout soit fait dans une conviction de l'esprit. Il y a des choses dont on peut se les approprier tout de suite. Il y a des choses pour le moment laissez et attendez aussi l'épreuve du temps. Voilà et merci pour tout ce qui a été apporté par Martin ce soir. Voilà il y a plusieurs clés aussi qui ont été données dans la compréhension et c'est sûr que voilà il y a l'obéissance à sa parole, l'écoute, la dimension de foi qui va libérer le miraculeux. Et tout don parfait vient de Dieu. Donc, si je devais aussi résumer plusieurs choses, c'est qu'il faut venir dans sa présence, venir se coller à lui, et puis les choses vont suivre. Les petits 1, petits 2, ou les 7 clés pour faire ci ou pour faire ça, moi, je les résumerai en une. Viens dans sa présence et puis viens saisir ce qu'il a à libérer, et comme Jésus, ce que le Père te demande de faire. Donc voilà, on est honoré aussi de voilà tout ce que le prophète Martin dépose dans les cœurs, tout ce qu'il a dit sur les destinées. Je sais qu'il y a plusieurs choses qui sont justes pour plusieurs personnes parce que moi je connais, j'ai reçu aussi des choses dans cette direction-là. Si vous avez des confirmations, vous pouvez aussi lui envoyer des messages, l'encourager. Vous pouvez le bénir aussi à travers le lien que j'ai donné tout à l'heure pour pouvoir le soutenir financièrement. Voilà, en tout cas, Martin, c'est toujours un honneur, une grâce voilà, de t'accueillir. Et merci pour tout ce que tu as semé ce soir et que le Seigneur voilà, t'arrose aussi de tout ce que tu nous as arrosé et multiplie sur ta vie et élargisse. Voilà, moi, je sens que le Seigneur, il va te faire arriver. Tu sais, c'est un peu comme Jésus quand il passait avec dans la barque avec les disciples, il y a eu une tempête et il y a eu comme des moments des fois où ça chahutait un peu pour pouvoir passer de l'autre bord, mais là il est en train de te faire arriver sur la terre ferme et de l'autre bord justement j'ai l'impression qu'il y a encore des choses nouvelles qui vont s'ouvrir, il y a des choses voilà, pour le ministère, il y a des choses où tu vas pouvoir poser le pied, il y a moins de turbulences et il y a des choses qui vont s'ouvrir un petit peu plus facilement aussi. Donc, Seigneur, merci pour ta grâce et cette saison où il va passer de l'autre bord, encore dans une nouvelle dimension du ministère. Voilà, au nom de Jésus, Seigneur, que le chemin soit frayé, que ta grâce opère. Et Seigneur, aussi, il y a des endroits dans cette terre, dans cette nouvelle terre, où il va y avoir des trésors, un peu comme quelqu'un qui va à la chasse au trésor. Et il y a des endroits où on va avoir l'impression que c'est des trésors et il ne faudra pas y aller parce que c'est une perte de temps et il n'y a pas de trésor à cet endroit-là. Donc, je te prie aussi que dans cette nouvelle terre et dans les invitations et les propositions, voilà, ils sachent avec certitude là où il va y avoir le trésor, là où tu veux qu'ils s'investissent et ce que tu veux qu'ils fassent, Seigneur. Voilà, que l'ennemi ne perde pas de perte de temps, puisque aujourd'hui, c'est comme s'il y avait un sablier où le temps était compté. Et l'ennemi cherche à nous voler aussi notre temps. Donc, Seigneur, je prie qu'il n'y ait pas de vol de temps et qu'on puisse rentrer dans tes promesses et dans ta destinée. Voilà, au nom de Jésus. Merci pour la soirée. Moi, j'ai vu quelque chose. Je peux parler, si c'est possible. Oui, vas-y, vas-y. Je te vois, Martin. On vient te chercher en limousine. Et tu rentres en limousine et je te vois comme si la limousine elle arrive et tu ressors en limousine, il y a quelqu'un qui t'ouvre un peu comme si tu montes de niveau quoi, tu es à l'aise et il y a quelque chose de plus confortable pour la route, une promotion, voilà. Amen. Comme tu dis, je te soumets cette parole. Merci.
Ok, on va clôturer la soirée. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez été béni par ces vidéos, à les partager, voilà, à mettre un j'aime sur YouTube, aussi à vous abonner à la chaîne. Les j'aime, ils font monter la visibilité des vidéos. Ils permettent que sur les moteurs de recherche, il y ait plus d'impact aussi derrière. Donc, n'hésitez pas à diffuser, voilà, à soutenir, à prier pour le prophète Martin aussi. Et voilà, donc on te bénit, Martin, et on espère te revoir aussi prochainement. Je sais qu'on doit collaborer en France aussi cette année, tous les deux, dans un séminaire. Voilà, c'est une joie de voir tout ce que le Seigneur va faire. Amen, merci. Voilà, je ne sais pas si tu veux dire encore un mot, et puis on va clôturer. Merci, Cyril. C'est une joie, une bénédiction de t'avoir, d'apprendre à te connaître, et c'est bon. Tu as dit la première fois que je suis venu dans le Zoom ici, sur qu'il y avait une liberté. Que les gens ont soif. Amen. Amen, amen. Bonne soirée à tous. Bénédiction. Shalom, shalom. Voilà, gardez le bon dépôt, tout ce qui a été semé, que ça puisse porter du fruit. À bientôt. À tous. À mercredi prochain.